Euh, du coup, on va parler de réseau, euh, mais euh, j'ai besoin tout petit peu de, de commencer tout court. Commence, vous savez, tout premier cours avec un prof commence avec ce qu'on appelle dans le jargon euh, entre nous le, le, le discours du trône. Le discours du trône, c'est le prof qui arrive et qui dit euh, voilà à quoi ça va ressembler de travailler avec moi. Et forcément, je ne vais pas y couper, donc je vais vous faire mon discours du trône. Euh, quelles sont mes attentes vis-à-vis -vis de vous euh, Qu'est-ce que j'attends comme travail de votre part euh, Vers quoi je veux vous amener Qu'est-ce que j'attends de vous Et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. euh, je tiens à être honnête avec vous dès le début, euh, parce que euh, je ne l'ai pas dit au début, enfin les autres l'ont un peu découvert, euh, un peu brusquement. Euh, je suis le premier qui adore faire des blagues, j'adore faire des cours euh, en expliquant les trucs un peu comme ça. Euh, pour autant, à ce qui paraît, j'ai le défaut, et je préfère vous le dire honnêtement, d'être extrêmement, extrêmement, extrêmement exigeant en termes d'investissement, en termes de travail et en termes de qualité du travail que vous investissez. Euh, D'une manière générale, si je vous donne un document et qu'il y a une instruction qui est dedans, je pars le principe que vous l'avez lu. Euh, et j'attends de vous que vous travaillez euh, régulièrement. Euh, J'ai bien conscience que je suis pas le seul cours. Hein, je ne demande pas l'exclusivité de votre temps de cerveau. Hein. Vous avez un travail en apprentissage. Vous avez un travail en entreprise. Vous avez en plus plein de cours quand vous êtes là-bas. Vous avez la piscine. Vous avez à programmer. Vous avez plein de choses. J'en ai entièrement conscience. Euh, mais euh, je préfère vous prévenir. Si vous approchez mon cours en allumant votre cerveau pendant la séance et ensuite on l'éteint et euh, on le rallume un dernier coup euh, avant des partiels, euh, ça va, vous n'allez pas réussir ce cours. Le seul moyen de réussir ce cours, c'est d'y travailler régulièrement. Et notamment, ça va venir avec la question euh, brûlante sur vos lèvres, je le devine, qui va être la question de l'évaluation. Comment allez-vous être évalué Vous n'allez pas être évalué par partiel. J'aime pas les partiels. C'est nul, les partiels. Bon, c'est mon avis personnel, mais moi, j'aime pas. Euh, à la place, vous allez être évalué par projet de manière continue. Au fur et à mesure des cours, je vais vous donner de mémoire trois projets à faire. Ce ne sont pas des projets de programmation, ce sont des projets de configuration qui se font avec un logiciel en particulier qu'on va voir ensemble qui s'appelle GNS3, qui est un simulateur de réseau. Et pendant ces projets, euh, vous devrez utiliser ce logiciel afin de configurer des réseaux et m'exporter euh, le travail que vous y faites. Votre notation sera bien sûr euh, la somme des, des évaluations de ces trois, euh, de ces trois projets. Euh, ce projet, je précise, est corrigé via une moulinette que j'ai codée euh, automatique. Donc ces projets sont corrigés de manière euh, automatique et bien sûr euh, ne laissent absolument pas la place à l'interprétation euh, humaine. Soit ça passe, soit ça ne passe pas. Si vous avez un zéro, c'est pas que je vous aime pas, c'est pas que j'aime pas votre gueule ou n'importe quoi. Ben c'est un moment, si ça passe pas dans la moulinette, ça passe pas dans la moulinette. La moulinette n'a pas d'âme. Et vous êtes trop pour que je puisse regarder euh, individuellement. Euh, pour autant, si j'ai découpé ça en trois projets, euh, c'est parce que comme ça, euh, le prix de cette merdée sur le premier rendu, c'est pas le plus grave du monde parce que les autres pour se rattraper. Mais vraiment, j'attends de vous que vous fassiez ces trucs sérieusement. En particulier, pourquoi je fais ça Parce que le réseau, c'est extrêmement fourbe. Extrêmement fourbe à cause d'une chose c'est très 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 facile de croire qu'on a compris. Et au moment où on est face à l'implémentation, à la pratique, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas compris. Très très facile d'avoir ça en réseau. Et donc, pour se protéger de ça, on fait régulièrement euh, de la pratique. Donc il y aura des rendus réguliers. Je ne sais pas encore quand est-ce que le premier projet va tomber, ça va dépendre de vos horaires. Euh, normalement, j'avais prévu de vous le donner immédiatement à la fin de ce cours-là, mais ce n'est pas impossible que je vous le donne, euh, vous le donne euh, à l'issue du deuxième cours ou bien à l'issue de ce premier. Ce sera en ce sera fonction d'à quel point on a avancé. On verra ça ensemble euh, tranquillement. Euh, D'une manière générale, euh, je termine mon discours du trône avec ça. C'est le seul moment un peu chiant. Euh, là-dessus. Euh, moi, j'ai un principe qui est extrêmement simple, mais dont je ne vais absolument pas dévier, qui est, euh, moi, je parle à des adultes. On n'est plus au lycée, je ne supporte pas l'infantilisation, je ne supporte pas, moi, d'être infantilisé, et du coup, je ne supportais pas, quand j'étais étudiant, d'être infantilisé, et du coup, je ne supporte pas d'infantiliser les gens. Je pars du principe que vous êtes des adultes, et je pars du principe que le rapport que vous avez au savoir est un rapport d'adulte. Si vous avez continué vos études jusqu'au point d'arriver en apprentissage en Bac plus 3, c'est vous êtes là parce que vous en voulez, parce que vous voulez apprendre des choses et euh, parce que vous êtes là pour travailler. Donc, d'une manière générale, je suis 100% disponible pour toute question qui concerne les contenus des cours, euh, des questions de réseau, des questions de programmation, me contacter pour machin et tout ça. Par contre, je suis complètement transparent là-dessus. Je n'ai strictement aucune patience. Pour les moindres questions infantiles et scolaires du style, oui, mais en fait moi j'ai eu telle note, mais est-ce que tu pourrais pas machin Et finalement t'as dit que c'était comment qu'on était évalué Et puis sinon la date du partiel Et puis est-ce que ça ce sera dans le projet que... Non, ça ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. On n'est pas au lycée, euh, on n'est pas là pour faire le jeu à la note. Euh, moi bah, moi je mets des notes parce que j'ai besoin de mettre des notes, mais fondamentalement mon objectif c'est vous transmettre des choses. Et mes projets sont conçus de manière à ce que ce soit des moments d'apprentissage et de pratique. Euh, si vous travaillez régulièrement, que vous suivez bien les instructions que je dis et que vous travaillez bien, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas. Euh, le seul truc, c'est euh, ne m'embêtez pas avec des questions euh, scolaires. Ça ne m'intéresse pas, je n'y répondrai pas. Voilà. Je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort ou que c'est un point de vertu ou pas. Euh, pour euh, Que ce soit pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison, à tort ou à raison, moi je fonctionne comme ça. <laughs> voilà, je précise juste parce que euh, je me fais très souvent spammer de mails, euh, typiquement dès qu'il y a un rendu. Hein. Oui, bonjour, je n'ai pas rendu à l'heure en fait, euh, mais j'ai rendu 20 minutes après, est-ce que tu peux quand même. Bah non, non, non. Et je n'y réponds même pas parce que j'ai 35 mails comme ça. Donc je les mets dans mes spams. Et au bout d'un moment, si ma boîte mail apprend automatiquement à classer vos mails en spam, bah tant pis pour vous. <laughs> Fallait pas me spammer. Ah voilà, je ne vous ai pas trop fait peur. Euh... Euh, non, ça va. GNS3, ouais. Est-ce que le GNS3 est sur la VM ou est-ce qu'on doit le config sur nos machines Malheureusement, ce n'est pas sur la VM pour des raisons techniques qui sont euh, compliquées. Je ne souhaite que ça qu'un jour on arrive à le mettre sur la VM. Mais donc pour l'instant, ce sera à vous de l'installer. Et euh, j'ai des vidéos qui vous, euh, que j'ai filmées. Euh, pour vous aider à l'installer et qui vous explique comment le faire. Et on prendra du temps euh, pour le faire ensemble. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai découpé ça en projet. Parce que vous allez voir que le premier projet, principalement, la grande chose qu'il y a à faire, c'est installer et configurer GNS3. Donc on va le faire ensemble. Euh, j'ai fait des vidéos là-dessus et j'explique la démarche euh, dans le sujet. Donc normalement, quand vous aurez le sujet, euh, il y aura vraiment marqué euh, toute la première moitié du sujet c'est euh, comment on l'installe, comment on le configure. Et en plus, j'ai des vidéos j'ai fait c'est le point un peu touchy parce que gns 3 c'est pas le meilleur logiciel du monde j'ai pas envie de prétendre que c'est un logiciel qui est parfait mais il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux sur le marché les autres concurrents me plaisent absolument pas euh, et les cisco paquets Tracer et les machins comme ça je refuse de toucher du cisco donc en open source il n'y a que lui mais ils sont en train de le retravailler donc peut-être qu'un peut qu jour on arrivera euh, avec un peu de chance d'ici un an on pourra il euh, y aura une nouvelle version qui permettra de de le mettre directement sur les VM, je souhaite que ça. Mais en tout cas, je vous rassure, euh, si vous avez de quoi faire tourner une VM, vous avez de quoi faire tourner GNS3, vu que ça vient avec une VM, et ça peut tourner sur euh, Linux, Windows euh, ou Mac. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Euh, voilà. Ceci étant fait, je vous propose de commencer le cours du réseau en lui-même. Alors, quel est l'objectif de ce cours euh, Quel est l'objectif de ce cours euh, L'objectif de ce cours est de vous donner ce que j'appelle le kit de survie en environnement hostile. C'est-à-dire le kit de survie en réseau, le minimum syndical que tout ingénieur ou tout expert ou tout informaticien, du manière générale, doit avoir en réseau. C'est du minimum syndical. Donc, je vais faire la base de la base et l'état des lieux de à quoi ressemble l'Internet aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les paquets que vous envoyez, comment ça marche et comment configurer, comment administrer des machines. Ça, euh, c'est l'objectif pédagogique de ce cours-là. Mon souhait, bien sûr, forcément, tout, chacun prêche pour sa paroisse, euh, c'est que ça euh, réveille chez vous une appétence pour le réseau et que vous souhaitiez ensuite. Euh, euh, vous spécialisez là-dedans, mais en tout cas, ceci est un cours d'introduction et un cours de, euh, et pas un cours de spécialisation. Donc, euh, au pire, si ça vous intéresse pas, vous avez, bah, c'est pas grave, mais vous avez juste appris le minimum syndical, même si c'est pas votre spécialité. Et au mieux, ça vous donne les armes pour ensuite vous spécialiser, parce que vous avez trouvé que c'était vachement drôle. Donc, je parlerai pas toujours de trucs hyper funky, mais on va vraiment commencer par les bases des bases. D'une manière générale, ce que j'attends de vous à la fin, mon objectif pédagogique à la fin, c'est que vous soyez capable de configurer des machines avec GNS3 et compagnie. Mais pour ça, bien sûr, on aura un peu de... Euh, on aura un peu de... Euh, j plus à parler. Euh, un peu de théorie aussi. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Ça va bien pour vous ouais, Tout va bien oh, Pas le bon truc Enfin si c'était le bon truc, excusez-moi, je fais un peu de la place, ma bouteille d'eau. Je fais un peu de la place sur ma machine parce que vous allez devoir supporter un truc absolument infâme. Vous allez devoir supporter mes gribouillages sur une tablette graphique. Ça va être dur parce que j'écris très mal. Je préfère vous le lire. <laughs> Alors, nous y voici. Euh, bienvenue. Attention, j'ai ma tablette. Je dessine. Ouais, trop bien. Dessinons. On est parti. Parlons un peu de réseau. Et commençons par nous poser la question. C'est quoi le réseau C'est quoi le machin C'est quoi l'Internet Mais commençons surtout par répondre à la question. Qu'est-ce qui se passe lorsque je communique sur Internet par quelle magie, lorsque là, euh, je vous envoie, je suis en train de parler dans mon micro, j'ai un logiciel qui est en train de streamer ça, par quelle magie mon ordinateur est en train d'envoyer des informations audiovisuelles à Internet et vous, vous êtes en train de les récupérer À quoi ressemblent ces messages que mon ordinateur envoie Et pourquoi euh, ils ressemblent à ça Ça, ça va être l'objectif de ce premier cours. L'objectif du premier cours, c'est un tour d'horizon. Un tour d'horizon, un survol de pourquoi les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Et c'est avec ça qu'on va commencer. Et pour commencer, on va commencer avec un peu d'histoire. Et pour parler de l'histoire de l'Internet et de l'histoire des réseaux, on doit parler du téléphone. Parce que l'histoire de l'Internet, c'est l'histoire du téléphone. Je dirais même que l'histoire des ordinateurs, c'est l'histoire du téléphone. Après tout, le transistor a été inventé euh, dans les laboratoires Bell euh, pour, euh, pour la euh, gestion des, des centraux centra téléphoniques. Euh, donc, euh, excusez-moi, je, je me tirais juste un peu. Donc, parlons un peu de l'histoire du téléphone et voyons un peu en version hyper accélérée en 10 minutes comment ça a évolué pour atteindre aujourd'hui... Les réseaux informatiques. Alors, en quelle année le téléphone Quelle année le téléphone hein, Le téléphone, il y a plusieurs théories qui rentrent en compétition, mais généralement la date qu'on retient c'est 1876. Je refuse que je ne dis pas de conneries. Ça hein, History of the téléphone. 1876. Voilà. Je n'ai pas menti, ça va, j'avais un doute. Euh, je n'ai aucun problème à dire que j'ai un doute et je ne connais pas tout par cœur, et parfois je vais sur Google, même pendant mon cours. J'ai absolument aucun scrupule à ça. Je n'ai pas la science infuse. C'est Alexandre Graham Bell qui invente un truc. Donc à l'époque, ils avaient déjà le télégramme. Hein. Donc ils arrivaient déjà à communiquer à distance, mais ils voulaient communiquer euh, à travers la voix. Et en gros, rapidement, euh, comment ça marche Le principe, je vous fais le schéma extrêmement simplifié, mais il est extrêmement. Euh, extrêmement subtil, enfin extrêmement intelligent. Le principe est super simple. On a quelqu'un ici qui parle, donc je dessine un monsieur. Ça c'est ses lèvres, ça c'est son nez. Je sais vraiment pas dessiner. Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 oh là 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 là. Ok, il est moche. Bref, toujours est-il que ce monsieur-là, je je l'ai vraiment loupé. Il a de la barbe en plus. C'est moi. Il parle et quand il parle il envoie des vibrations dans l'air. Et donc ici, il y a des ondes sonores. Ces ondes sonores représentent un signal, et ce signal peut être interprété par une oreille, et l'oreille traduit euh, ces ondes sonores, qui sont des vibrations comme ça, longitudinales, euh, des compressions et des dépressions de l'air, comme ça. Hein. Et l'oreille, à l'intérieur de l'oreille, ici, Attention, alors déjà que je ne dessine pas des visages, alors dessinez une oreille, vous êtes prêts Eh, pas mal en vrai. L'oreille, quand elle reçoit des ondes, à l'intérieur, elle a un truc hein, qui est une sorte de peau de tambour, une sorte de diaphragme, une sorte de peau de tambour, et qui vibre en même temps que l'air. Donc quand elle reçoit des vibrations d'air comme ça, bah elle aussi, elle vibre. Et derrière, ensuite, on rentre dans l'oreille interne. Alors, moi, j'ai pas fait bio, hein, donc je peux vous expliquer tout le fonctionnement de l'oreille. Hein. Mais rapidement, on rentre dans l'oreille interne. Et cette fois-ci, c'est du liquide. Et à l'intérieur de cette sorte de liquide, euh, c'est converti en signaux électriques qui sont envoyés ensuite au cerveau, et blablabla, bla bla, et blablabla, bla bla, qui interprètent ces signaux électriques comme étant euh, bah, du son. Et comment on fait le téléphone Et bien, bah ça, c'est super élégant. Regardez ce qu'ils font. On va prendre également euh, une, une peau de tambour, ici. Et qu'est-ce que je vais accrocher à cette peau de tambour Je vais accrocher un aimant. Et donc du coup, quand je parle sur cette peau de tambour, l'aimant, il bouge. Vous êtes d'accord L'aimant, il bouge. Alors vous allez dire à quoi ça sert Parce que regardez ce que je vais faire à côté. À côté de l'aimant, je vais mettre un fil électrique. Et rappel des cours de lycée, hein, euh, principe d'induction. Qu'est-ce qui se passe quand on fait bouger un aimant à côté d'un fil électrique il bah, y a du courant qui se crée dans ce fil électrique. Le courant induit par le champ électromagnétique, par le champ magnétique. Si vous faites bouger un champ magnétique à côté d'un fil électrique, ce fil électrique va générer du courant. Et donc, il y a du courant qui est généré uniquement mécaniquement par le fait que ce truc bouge. Super. Et donc là, j'ai un courant électrique. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a On a à nouveau un, euh, un, un aimant accroché à une peau de tambour. Et là, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Parce que cette fois-ci, bah, si vous avez un courant électrique à côté d'un aimant, bah, l'aimant, il se met à bouger. Et donc l'aimant, il se met à vibrer. Et il vibre de la même manière que lui vibrait. Parce qu'il mimique les vibrations qui sont ici. Et donc comme ici, la peau qui est accrochée à l'aimant vibre, la peau de tambour vibre, l'air se met à vibrer, ça génère des ondes sonores. Et l'oreille le reçoit. Waouh C'était pas compliqué, hein, le, euh, le téléphone. Et on dit que, fondamentalement, ce signal qui est ici, qui est une vibration de l'air, ce signal qui est ici, qui est une vibration de l'air, ce signal qui est ici, qui est dans l'oreille, basé sur les impulsions électriques, ce signal qui est ici, qui représente des, des vibrations des cordes vocales, et même... Ce signal qui existe sous forme d'amplitude électrique au sein d'un fil, en vrai au sein de deux fils, hein, parce que circuit électrique, blablabla, bla bla, euh, bref, eh bien, ce sont les le même signal, mais le même signal sous des formes différentes. Et on dit que ce signal-là est la représentation de ce signal. Ou bien, on préfère dire, ce signal est l'analogue de ce signal-là. Donc, on parle d'un signal analogique. Un système analogique, c'est quand par des moyens mécaniques, je reproduis un signal sous un autre format, sous un autre médium. Donc, on dit que ce courant électrique est l'analogue des vibrations signal analogique, à l'inverse des signaux numériques. Donc, on invente le téléphone, on est super content, qu'est-ce qu'on est content, qu'est-ce que c'est génial, et rapidement, comment ça marche euh, un téléphone euh, bah, Ça marche exactement comme ça, sauf que c'est une boucle, et quand on décroche le téléphone, en fait, il y a un interrupteur, et décrocher euh, ferme l'interrupteur, et donc crée la boucle. Et les gens arrivent à se parler. Bon, à part un tout petit problème, c'est que du coup, comme c'est un lien dédié, euh, si vous avez euh, un téléphone ici, attendez, je vais le faire en... de la bonne couleur. Si vous avez euh, un téléphone ici euh, et un téléphone ici, super, vous pouvez avoir un fil qui les relie. Euh, par contre, si vous voulez parler à une troisième personne, au tout début, hein, euh, c'était un peu débile, bah, il fallait un téléphone par interlocuteur. Vous voulez parler à quatre personnes différentes, il vous fallait quatre téléphones. Chaque téléphone était un lien dédié 1 euh, un. un. C'était relativement problématique. C'était relativement problématique. Donc à la place, qu'est-ce qu'ils ont fait Et c'est là que c'est très intelligent. Et vous allez voir qu'on va retrouver ce schéma-là dans les réseaux informatiques. Ils ont fait une maison centrale qui s'appelle le central téléphonique. Je l'appelle le central téléphonique. Et toutes les maisons des gens sont reliées. Euh je dessine vraiment super mal. On leur téléphone ici, hein, sont reliés au central. Et à quoi ça ressemble ici C'est les câbles souterrains, c'est du cuivre, hein, c'est de la paire torsadée. Hein. Et en fait, c'est de la paire, comme on dit, c'est une boucle. Ça veut dire il y a aller et retour. C'est une boucle. Et c'est pour ça qu'on emploie le terme ici, ce réseau ici qui sort de chez vous, qui fait le réseau téléphonique, on appelle ça la boucle locale, la local loop, la boucle locale. Et en fait, c'est un circuit électrique. Votre téléphone, il sert d'interrupteur, parce que quand vous décrochez, ça ferme l'interrupteur, ça allume. Et de l'autre côté, il y a une batterie à 48 volts. Et bien sûr, pour pas que ça tourne en courge, il y a une lampe, une petite lampe. Et cette lampe, bien sûr, elle est euh, sur un tableau de bord qui regroupe les circuits de tout le monde. Et donc, quand vous décrochez le téléphone, je vous parle à l'époque, hein, le circuit se ferme. Le courant est établi, la lampe s'allume et euh, l'opératrice, la demoiselle du téléphone, euh, l'opératrice téléphonique euh, qui, est, euh, qui est à l'intérieur, euh, est capable donc de, de brancher des câbles. Et en fait, elle est capable, sur le panneau, en dessous de chaque lumière, il y a une prise jack. C'est là que viennent les jacks. Hein. Les jacks, c'est parmi les câbles les plus anciens, ils ont été inventés ici. Et elle peut brancher le jack euh, à des écouteurs avec un combo micro écouteur qu'elle a. Euh, pour euh, créer le réseau avec eux, euh, rejoindre le circuit électrique. Et oui, bonjour. Et vous lui dites bonjour, j'aimerais joindre machin, blablabla, bla bla, et gna 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 gna, gna. Donc j'ai envie de parler à euh, machin qui est ici. Et machin qui est ici a également sa propre connexion, sa propre boucle, avec son propre téléphone. Et ici, avec son point d'entrée. Et la petite lampe. Et en gros. Ce que va faire l'opérateur, enfin l'opératrice, elle va faire sonner, je ne rentre pas dans le détail de comment elle fait sonner, elle envoie des variations, blablabla et tout ça. Le téléphone sonne, la personne décroche, et ensuite ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre un câble et elle va lier ce câble-là comme ça. Donc elle branche les deux comme ça. Et du coup. Comme ce câble, hein, c'est un câble jack, à l'intérieur d'un câble jack, euh, en fait, il y a deux fils. Hein, donc, il y a les deux fils de la boucle. Hein. Si vous regardez sur un câble jack, je ne peux pas le débrancher parce que sinon, euh, bah sinon on ne verra plus. Mais si vous regardez sur un câble jack, euh, il y a le type et le ring. En fait, il y a une petite séparation. Si vous regardez sur un câble jack, qui ressemble à ça, euh, il y a une sorte de trait ici. Et en fait, euh, là... Et là, de par cette séparation, ça représente ces branches, ça correspond à chacun d'un des deux fils. Donc là, bien, il y a bien deux fils hein, dans de la prise. Donc toujours est-il que, si vous voulez, il y a le circuit qui est maintenu. Je vous représente deux câbles comme ça. Euh, physiquement, c'est un seul câble, mais à l'intérieur, il y a deux fils. Et donc en gros, quand elle est reliée, il y a un circuit électrique qui est établi de chez vous à votre interlocuteur. Et donc, ce que fait l'opératrice téléphonique à l'époque, elle branche et débranche des câbles à la volée sur un tableau de, un, un tableau de patch, et tchouk, 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 et quand elle branche comme ça, des circuits sont établis, et c'est comme ça que les gens arrivent à se parler. On parle de commutation lorsqu'on euh, lorsqu branche les gens correctement afin de pouvoir qu'ils puissent s'adresser aux bonnes personnes. Et en particulier, cette forme de commutation, ça s'appelle de la commutation par circuit, ou en anglais, du circuit switching. Ensuite, euh, petit à petit, euh, cette commutation s'automatise. Alors, pour la petite histoire un peu glauque, euh, la première automatisation euh, dans les, les centrales téléphoniques, c'était les, les Stroger Switch, les Switch de Stroger. Et Stroger, ce n'était pas un ingénieur, c'était un croque-mort. Et il était persuadé, parce qu'il euh, avait un concurrent dans sa ville, et la, la femme de son concurrent était opératrice téléphonique. Et il était persuadé que euh, la, femme du, euh, la femme du concurrent n'était pas très réglo. Et que lorsqu'elle recevait un coup de fil au central et que quelqu'un disait Bonjour, je voudrais parler au croque-mort, à chaque fois, elle, euh, elle redirigeait bien sûr vers son mari et pas vers Stroger. Et il en était persuadé, Stroger. Et du coup, il a dit Il faut que j'invente un système qui laisse pas de place à l'humain, et euh, bien sûr sous couvert de misogynie, blablabla, et tout ce que vous voulez. Hein, euh, pas de place aux, aux opératrices pour qu'elles puissent en faire qu'à leur tête. Et il invente un système automatique, blablabla. Bla bla. Et petit à petit, plutôt que d'être euh, représenté par des, euh, par des noms, euh, chaque personne commence à avoir un numéro. Et ensuite, c'est automatisé. On trouve un moyen automatique d'indiquer quel est le numéro depuis notre téléphone, avec d'abord le téléphone rotatif qui fait tchac qui fait des micro-coupures en fait sur le réseau. Et chaque micro-coupure est interprétée comme un numéro. Hein. Si vous faites tchac tchac tchac, ça fait trois micro-coupures, c'est-à-dire le numéro 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est les switches mécaniques qui détectent ces micro-coupures, qui adressent les gens, qui bam-bam-bam, branchent les gens. Euh, ensuite, avec les touches quand on appuie qui font des petits bruits, hein, ce qu'on appelle le DTMF. Et, euh, et petit à petit, ça s'automatise. Mais on reste à faire ce qu'on appelle de la commutation par circuit. Et c'est quoi le problème de la commutation par circuit Le problème de la commutation par circuit. C'est que lorsqu'on établit un circuit comme ça, on ne fait rien d'autre. Je suis en train de passer un coup de fil ici, mon circuit est établi, je ne peux rien faire d'autre. On ne peut rien faire d'autre. Et ça pose aussi un problème lorsqu'on se met à avoir plusieurs centrales téléphoniques. Parce qu'ici, on a un central, enfin plusieurs centraux du coup. Je dis un central ou une centrale Bonne question. Bref. Un centre téléphonique, on va dire un centre. Euh, là, ici, on a, si vous voulez, une seule ville. Et les opératrices connaissent tout le monde de la ville, parce qu'elles n'ont pas volé leur salaire. Hein. Euh, et quand on dit je voudrais parler à machin, elles savent le brancher au bon endroit et n'importe quoi. Mais bien sûr, lorsqu'il y a plusieurs villes, qu'est-ce qui se passe? Euh, on a un deuxième centrale téléphonique ici, avec des gens qui sont branchés. Hein. Et on va établir une communication longue distance. Et on a un câble comme ça. Et lorsqu'on veut faire un appel longue distance, ce que fait euh, l'opératrice téléphonique, elle sonne euh, chez l'autre centrale en disant j'ai un appel longue distance, blabla. La personne ici fait les bons câbles, ils se branchent entre eux, bam bam bam, et on est bon. Et ça coûte plus cher, les de téléphoniques. Mais du coup, Là, si j'ai qu'un seul câble, je ne peux faire qu'un seul appel téléphonique à la fois, bien sûr. Donc, d'une manière générale, on a un peu ce problème, et que du coup, d'une manière générale, euh, ce qui est compliqué dans la communication par circuit, c'est avant de pouvoir commencer à parler, on doit établir le circuit. Et ce coup là est rattrapé par, euh, ce coup -là est rattrapé par la durée des communications. Mais je squeeze, j'avance beaucoup dans l'histoire, j'avance directement un peu plus loin. Lorsqu'on arrive au niveau des ordinateurs, c'est pas très intéressant de devoir faire tout ce temps d'établissement de la communication pour ensuite parler très très rapidement et après s'éteindre. Donc ce n'était pas super cool la communication par circuit. Et aussi, on avait un problème c'est ce, cette idée qu'on on peut faire qu'une seule communication à la fois. Parce que moi, là, par exemple, au moment où je suis en train de vous parler, sur mon ordinateur, il euh, bah, y a d'une part mon application, mon OBS qui est en train d'envoyer un flux sur Twitch, il euh, y a mon navigateur web, il y a mon Rocket Chat, il y a mon Teams, il y a mon Discord, il euh, y, y a mon ordinateur lui-même qui, qui envoie des signaux ou n'importe quoi. Et donc, du meilleur général, j'ai plusieurs communications en parallèle. Et ce n'est pas quelque chose que je peux faire ici. Donc, il a fallu. Qu'on invente un nouveau système pour les ordinateurs qui allait utiliser la même infrastructure sous-jacente, jusqu'à aujourd'hui utiliser sa propre infra, hein, euh, qui allait utiliser la même infrastructure sous-jacente, mais qui allait fonctionner différemment. Et c'est ce qu'on va voir juste avant. Je regarde un peu le chat, voir si les gens arrivent à suivre. Il euh, n'y a pas un flanc blanc Ouais, mais moi j'en ai besoin. Des... Un background noir uniforme Ouais, mais ça, ça m'aide bien, moi. Je peux les, je peux les dégager. Euh, le téléphone, c'est de l'encodage. Euh, un fond blanc, alors euh, fond blanc, non, ça va me démonter les oreilles. Mais un background euh, uniforme, ouais, il y a peut-être moyen de régler ça. Hein. Voilà. Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Mais bon, c'est pour vous. C'est bien parce que c'est vous. C'est parce que je vous aime. On, on se sent tellement vide. On dirait un vide existentiel. Waouh. Bref. Toujours est-il. Ça va mieux, ouais. Ouais, super. Je t'en prie, c'est pour vous. Euh, toujours est-il que. Euh, on, a, on avait ce système, ce système ne nous plaisait pas. Et à la place, aujourd'hui, dans les réseaux informatiques, je squeeze plein de bouts d'histoire. Hein. Il y a le projet Cyclade, l'invention de le concept de datagram, avec. Euh, c'est des Français en plus, avec euh, Puzzle ou n'importe quoi. Mais on passe sur un système qui s'appelle la commutation par paquet. le paquet switching, et ça c'est un truc important. La différence entre les réseaux téléphoniques et la réseaux informatiques, c'est que de les réseaux informatiques, même si c'est utilisent les mêmes câbles sous-jacents, hein, du moins euh, tant que vous êtes en ADSL ou n'importe quoi, hein, quand vous êtes passé en fibre optique, c'est plus les mêmes euh, réseaux. Hein. Euh, mais bon, je vais pas parler de tout ça. C'est que on fait de la commutation par paquet. Et qu'est-ce que ça veut dire de la commutation par paquet La commutation par paquet, le principe est différent. Je vous rappelle, commutation par circuit. Avant de commencer à parler, on établit au préalable un circuit électrique, enfin un circuit de euh, et un chemin de l'émetteur jusqu'au destinataire. Et une fois que ce circuit est mis en place, L'émetteur peut commencer à parler. Et l'émetteur, il parle, 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 et il n'a pas à s'adresser aux personnes, juste il parle, parce que le circuit est établi, et il n'y a qu'un seul chemin que peut prendre le message qu'il envoie. En commutation par paquet, c'est l'inverse. L'idée de la commutation par paquet, c'est qu'on va découper notre message en petits paquets, mais on va affixer. Comme dans une lettre à la poste, on va affixer sur notre message avant de la métadata, de la métadonnée. Je vous rappelle, la métadata, c'est de la donnée sur la donnée, les métadonnées. Et si vous voulez, si je tire un peu la métaphore, c'est comme vous envoyez une lettre à la poste, il y a la lettre qui est le contenu de votre message, vous le mettez dans une enveloppe, et sur l'enveloppe, vous marquez l'émetteur et le destinataire. Bien, ça, c'est un peu ça, c'est de la métadonnée. Ce n'est pas euh, le contenu du message. Mais c'est un truc qui permet d'adresser le message. Et donc, on a des messages qui sont autoportants. Chaque petit message, chaque petit paquet qui est un bout du message, vient, si vous voulez, dans son enveloppe. Et sur l'enveloppe, on a marqué les informations qui lui permettent d'arriver à la bonne destination. Ce qui veut dire qu'on ne cherche pas à préétablir un circuit avant de parler. On envoie des messages et on va partir du principe que chaque centre de tri qu'on va croiser. Donc ici on a un magnifique, je l'ai fait en bleu, un magnifique centre de tri. Ici on a un autre centre de tri euh, qui est, il était branché ici. Lui il était branché à un autre centre de tri euh, et ainsi de suite et blablabla. Mais euh, moi, on avait tout un réseau de centres de tri qui étaient connectés entre eux. Hein. Je en reviens après sur ce que c'est centre de tri, mais là, je tire la métaphore euh, postale. Là, il y a mon destinataire, là, il y a l'émetteur, et quand j'envoie ma lettre, chaque centre de tri inspecte non pas le contenu de la lettre, sauf si vous êtes en URSS en pleine guerre froide, mais seulement... Euh, le contenu de l'enveloppe, donc le paquet de métadonnées, pour savoir Ah, c'est un courrier en destination de Marseille. Ah, bah dans ce cas-là, ça envoie à tel centre-loterie. Ah, je viens de recevoir un courrier. Ah, et cette lettre, c'est à destination de Marseille. C'est par là ou c'est par là Ah, bah c'est par en haut, et ainsi de suite. Jusqu'à dire Ah, je suis la ville de Marseille. Ah, oui, 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 oui. Tel courrier, je connais l'endroit et je le dépose. Et donc, on envoie de la commutation par paquet. Une succession de messages autoportants sans au préalable avoir établi un circuit. On n'établit pas un circuit, on envoie des paquets, on a découpé notre message en paquets et on envoie des paquets avec, en plus de ces paquets, de la métadonnée. Et ces métadonnées vont servir à différentes choses, à différentes responsabilités. Et parmi ces responsabilités, il y aura de où se trouve mon destinataire et comment je fais pour le trouver. Jusqu'ici, tout va bien. Je regarde s'il y a des questions. Je remplis le vide. Il manque plus que le bruit de craie. Alors je peux essayer, hein. je peux essayer hein, de faire. Mais vous allez, vous allez devenir fou si je fais ça. Euh, paquet égale métadonnées plus message. Ouais, on peut le voir comme ça. Pour l'instant, c'est pas le plus formel du monde. C'est pas le plus formel du monde, mais on peut voir qu'un paquet, c'est le combo d'une métadonnée plus un message, si vous voulez. Effectivement, même si c'est pas giga formel. Alors, je vais rapidement la question. En fait, le téléphone, c'est de l'encodage. Euh, tant qu'on est en analogie, on parle pas vraiment d'encodage, c'est quand on fait du numérique qu'on fait de l'encodage. Ah, vous entendez l'école Oui, euh, j'habite juste à côté d'une école primaire. Euh, je ne savais pas que vous entendiez l'école, euh, je peux baisser un tout petit peu ma sensibilité. Euh, oui, j'habite à côté d'une école primaire, euh, j'aime bien, euh, ça, ça fait un peu vivant. Euh, je n'ai pas l'impression de vivre euh, coincé dans le monde et j'entends des gosses en train de jouer, tout ça. Et, et c'est un peu mon, mon signe que je suis encore jeune dans ma tête. Le jour où le bruit des gosses me fait chier, c'est que je suis vraiment devenu un sale con. <laughs> Donc ouais, moi j'aime bien, je, je me réveille le matin au bruit, euh, au bruit de la sonnerie de, de, la, de la récré, je les entends jouer. Euh. C'est con, mais j'aime bien. Euh, mais ouais je vais baisser un tout petit peu la euh, l'ascensi euh, pour, euh, pour que vous entendiez pas. Avec un peu de chance comme ça vous n'entendez pas les, les gosses. Euh, du coup La commutation par paquet. Alors du coup, la question vers laquelle il m'amène, et l'objectif du reste de ce cours va être à quoi ressemblent ces metadata? Ben déjà, à quoi ressemblent les données en elles-mêmes, mais à quoi ressemblent les métadonnées qu'on a fixes qui permettent de faire ça Et vous allez voir, ça va être très bizarre. En fait, il n'y a pas une enveloppe avec de la métadonnée, mais en fait, il y a même plusieurs enveloppes. Il y a des sortes de poupées russes d'enveloppes. Avec plusieurs blocs de métadonnées, chacun avec des responsabilités différentes. Euh, mais j'y viens. Alors pour l'instant, je vais commencer par un truc. Euh, vous allez rien comprendre, mais je commence doucement. Voici Wireshark, qui est, comme son nom l'indique, un Network Analyzer, qui est un analyseur de réseau. Et euh, je vais filtrer un... Donc là, c'est tout ce qui se passe en réseau actuellement sur ma machine. là. Il filtre tous les paquets réseau qui sont en train d'avoir lieu. Et je vais filtrer sur euh, HTTP. Et euh, là, par exemple, un get succès, IPv4. Qu'est-ce que c'est que ce truc 3407, euh, c'est qui lui Ah, detect portal, ouais, ok. Bon, c'est un truc de Firefox. Donc ici, il y a une communication en HTTP qui a été faite. Ou bien, si vous voulez, euh, pour simplifier, je peux aller sur mon navigateur et aller sur http://kevinstern.fr, par exemple. Hop là, ça redirige en HTTPS. Mais rapidement, ici, euh, là, voilà, c'est ici. Attendez, je le mets juste en pause parce qu'il me stresse. Ici j'ai eu ma requête où j'ai demandé à accéder à, à kevinstern.fr et ici eu la réponse et d'ailleurs la réponse était une redirection vers le site en HTTPS. Mais regardez, tout ça, c'est le paquet que j'ai envoyé sur le réseau. Tout ça. Tout ça, c'est un bloc de 418 octets qui ont été envoyés. Et le cœur de mon message, c'est le message en HTTP. HTTP est le protocole applicatif. Tout ça, c'est mon message. C'est du HTTP. Bonjour, je vous montre rapidement. Hein, euh, J'aimerais accéder à Slash en version HTTP 1.1. J'aimerais accéder à kevinstand.fr. Je suis un navigateur Mozilla. J'accepte tel langage. Do not track. Blablabla. 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 Gna Une requête HTTP euh, bête et méchante. Mais, avant d'avoir tout ce message-là, tout ce que vous voyez en blanc là, ce sont des enveloppes de Metadata. Et regardez, j'ai pas une enveloppe, j'ai un, deux, trois enveloppes. Et c'est ce qu'on va étudier. Quelles sont ces trois enveloppes Pourquoi est-ce que j'ai trois enveloppes Donc l'intégrité de mon message, c'est une enveloppe extérieure. Suivi d'une autre enveloppe un peu plus à l'intérieur, suivi d'une autre enveloppe un peu plus à l'intérieur avec chacune de la métadonnées, suivi de mon message dans l'absolu. Donc pour l'instant, euh, je ne rentre même pas dedans ce qu'il y à l'intérieur. Je, je précise même pas, je ne réagis même pas au fait qu'il y ait marqué Ethernet, Internet Protocol, euh, TCP ou n'importe quoi. Je ne réagis même pas à ça. Je veux juste vous dire, pour l'instant, on se contente de retenir que j'ai mon message ici et j'ai une succession d'enveloppes chacune avec une responsabilité différente de métadonnées pour garantir que le message soit arrivé au bon dessinataire en bonne forme et que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Le reste du cours sera qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, pourquoi ils sont là et à quoi ils servent. Et armé de ça, on aura toutes les bases pour avancer dans les cours de réseau. Ça va bien pour vous Tout va bien je vérifie à chaque fois, hein, parce que comme je, comme je l'ai dit, je suis obligé de cliquer pour voir <laughs> s'il y a des questions. <laughs> parce que sinon, je le vois pas, parce que sinon, je serais toujours en train de regarder le truc comme ça. Je regarde en même temps l'heure, ça fait une heure. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause. On a trois heures de cours, je vous propose. Alors oui, il faut que je regarde au niveau des pauses. Autre truc, on m'appelle le torsionnaire. Parce que généralement, je ne pense pas à faire des pauses. Parce que moi, je suis le genre de débile qui peut parler pendant trois heures comme ça. Donc, je me force maintenant à regarder l'heure. Et je me dis euh, de faire 15 minutes de pause au bout d'une heure et demie entre les deux et on coupe, on coupe avec 15 minutes de pause. Donc je me dis j'ai encore euh, allez, 20, minutes, 20 minutes avant la pause, un truc comme ça. Je boucle un peu ça et, euh, et on fait la pause. Ou bien on fait la pause tout de suite avant d'attaquer le prochain truc, on peut voir. Euh, regarde si vous avez des questions. Le goûter, c'est important. Oui, le goûter. Et surtout boire de l'eau. Euh, super, j'avance un tout petit peu. Du coup. Alors, à quoi ressemblent euh, ces enveloppes et qui a décidé que ces enveloppes étaient ces enveloppes-là euh, Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs choix dans l'histoire d'enveloppes et chacun euh, de ces choix d'enveloppes est ce qu'on appelle un, oula, un modèle. Et il y a eu plusieurs modèles qui sont baladés de l'histoire. Euh, aujourd'hui, on n'en a, a qu'un seul, et il s'appelle TCPIP. C'est le modèle qu'on utilise. Mais je vais commencer par vous parler d'un modèle qui n'est plus utilisé aujourd'hui, mais qui est souvent présenté de manière théorique et dans tous les bouquins. Je ne comprends pas pourquoi on commence toujours par parler de ce modèle à chaque fois au début, avant de parler de TCPIP, alors que ce modèle est complètement mort et il n'est pas utilisé. Mais bon, ne serait-ce que pour euh, garantir le fait que vous ayez entendu parler et vous sachiez à quoi ça ressemble, je vais commencer par lui. Je vais commencer par parler du modèle OSI, ou OSI pour Open System Interconnect. Alors faites très attention, je vais parler du modèle OSI parce que c'est important de savoir que ce modèle OSI existe, mais ce modèle, enfin ce modèle théoriquement a existé. Ce modèle était un concurrent du modèle qu'on rencontre aujourd'hui et il a perdu la guerre. Il n'existe plus. Il est mort. Aujourd'hui, il n'y a plus d'OSI. J'en parle historiquement et théoriquement parce que les choix de design qu'ils ont faits ont des éléments intéressants. Il n'y a rien qui subsiste d'OSI aujourd'hui. Je précise, c'est très important. Je ne suis pas en train de décrire le réel tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y a rien de OSI dans la capture de paquets réseau que je vous ai fait. Je vous présente uniquement de manière théorique un modèle ancestral qui a perdu parce qu'il y a des éléments de design qui sont intéressants à étudier. Ok Donc, sachant ça, OSI, ils se sont dit hmm, en fait, si on réfléchit, Envoyer un message avec un ordinateur, en fait, si on réfléchit, il y a sept responsabilités. Il existe sept grandes problématiques à résoudre si on veut envoyer un message. Et pour chacune de ces problématiques, pour chacune de ces responsabilités, il va y avoir une enveloppe associée. Alors eux, ils n'appellent pas ça des enveloppes, ils appellent ça des couches. Donc ils disent que c'est un, un modèle en 7 couches, ou en anglais des layers. Et le principe est que quand on a une couche, les couches sont représentées du haut vers le bas, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en fait, lorsqu'on envoie un message, on va du haut vers le bas. Et en fait, chaque couche représente un, euh, une enveloppe et donc un header. Et donc ici, vous avez votre message. Quel est le message de première couche? Et lorsque je j'ajoute ici un header, et lorsque je descends de la couche suivante que je traite, la problématique suivante, tout ça devient un contenu sur lequel je remets un header, qui lui-même va être à nouveau considéré comme un message comme ça. Et si vous voulez, quand on arrive tout en bas, vu que quand on envoie un message, on va du bas vers du haut vers le bas. Le message qui est envoyé sur le fil électrique, c'est une sorte d'énorme poupérus avec euh, une série de, de headers comme ça. Et lorsque le, le destinataire reçoit le message, qu'est-ce qui va se passer Lui. Le destinataire, il va du bas vers le haut et à chaque fois, il va dépiler l'enveloppe externe, traiter cette responsabilité. Ensuite, il traite cette responsabilité, il dépile, il dépile, il dépile, à chaque fois, il envoie plus haut. Une fois qu'il arrive tout en haut, on passe la main au logiciel qui traite le serveur HTTP, qui fait du HTTP par exemple, et c'est lui qui va traiter le, le, le truc qui est en haut. Donc, au nombre de sept responsabilités. Quelles sont ces responsabilités du modèle OSI le modèle OSI, il nomme les couches comme ça. Je vais les nommer du bas vers le haut. La première responsabilité, c'est le fait que bah, tôt ou tard, commençons par le commencement, euh, si je veux envoyer un message physiquement, je dois physiquement transmettre un signal d'un endroit géographique A vers un endroit géographique B. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Je peux faire le meilleur code de tous les temps. Euh, à un moment, ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit euh, que je vais envoyer un message. Il y a un moment où physiquement, euh, j'envoie des impulsions électriques, des, des ondes électromagnétiques, où j'ai des câbles qui sont branchés ou quoi que ce soit. Mais physiquement, il y a un signal qui se, qui se balade d'un point A à un point B. Il n'y a pas de miracle. Donc on va commencer par ça. Hein. On va commencer par cette problématique. En tout premier lieu, nous avons la couche qui s'appelle la couche physique. La couche physique traite tout ce qui est nécessaire à euh, l'envoi effectif euh, d'un message euh, physiquement. Et donc, c'est dans cette couche qu'on va traiter le problème. Alors, est-ce que c'est un câble Est-ce que c'est des ondes Est-ce que c'est un signal satellite Des ondes radio Des ondes euh, électromagnétiques enfin, La radio, c'est électromagnétique. Euh. Mais euh, des ondes machin euh, Et puis, quel câble Quel format de câble Alors, 5 volts, ça veut dire 1, et 0 volts, ça veut dire 0, blablabla, bla, bla, tous ces trucs-là. Première, chose à, à, première question à, à répondre. Ok. On a un câble. Super. Supposons qu'on ait fait le choix d'un câble. J'arrive à brancher deux machines. Mais moi, ça ne me suffit pas parce que si je reprends, je vous rappelle qu'ils sont, euh, sont très inspirés du modèle euh, téléphonique qui est ici. Et du modèle, comme tout le monde, des réseaux locaux interconnectés entre eux par des liens euh, qui lient différents réseaux locaux, si vous voulez. En fait, dans le jargon, euh, je dis juste ce jargon ici dans le langage téléphonique parce qu'on va le revoir quand on fera euh, de, 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 de l'Internet. Ces liens-là, on appelle ça les liens euh, d'accès. Et ces liens-là, on appelle ça des liens trunk. Et parce qu'en fait il y a plusieurs câbles à l'intérieur. Un trunk, c'est une sorte de, de sac avec plusieurs trucs à l'intérieur. Et en gros, ils disent bah, on va on va un peu simuler ça. D'abord, il y a des communications locales, et après, on verra pour, euh, on verra pour, euh, pour les communications distantes. Donc il dit d'abord on a besoin d'établir des communications locales, et pour ça, ils ont la couche qui s'appelle data link. Liaison de données, ou euh, link, généralement, on l'appelle juste link, mais data link. Et en gros, je la fais rapidement, le but de la couche 2, c'est d'établir un réseau local. Et une fois qu'on a un réseau local, donc il y a des protocoles qui permettent de faire des réseaux locaux. Euh, vous avez peut-être entendu parler de Ethernet, Wi-Fi, euh, tous ces machins-là, token ring, token bus, hein, chez les vieux. Mais super, on a ça. Et une fois qu'on a... Euh, qu'on a ça, bah, maintenant on a besoin d'interconnecter ces différents réseaux locaux. Eh oui. On a des networks, mais maintenant on va faire de l'internetworking. Eh oui. L'internet internet. Network, aller d'un réseau à un autre. Un internet, c'est une interconnexion de réseau. Et le internet avec un grand I, c'est juste le plus grand des internets. Mais toujours est-il, ils appellent cette couche Network. Et donc, je reprécise, le but de la couche 2 est d'établir un réseau local. Le but de la couche 3 est d'interconnecter différents réseaux locaux. Donc, si vous voulez un peu la métaphore, c'est comme si ici, je reprends la métaphore de la poste, euh, la couche 2, ce serait. Le, la rue du dessinateur j'aimerais parler à euh, Jean-Michel Trucmuche euh, 24 rue du, euh, du Général Machin et donc chaque ville a ses, a ses facteurs qui connaissent les rues de leur ville et donc euh, quand ils voient ça ils disent ah oui la rue du Général Machin je la connais elle est là-bas je prends mon vélo et j'y vais par contre qu'est-ce qui se passe si moi j'envoie un courrier distant euh, je suis à Paris et j'envoie une lettre à Marseille euh, et que la, la, rue, la rue du Général Machin, c'est à Marseille. Et bah, euh, le facteur parisien qui voit cette lettre, parce que moi je suis à Paris quand j'ai posé cette lettre, et il fait, bah, euh, moi je ne connais pas. Il va falloir que j'envoie cette lettre au centre de tri chez le facteur de Marseille, et lui, il pourra faire ça. Mais comment je sais que c'est pour Marseille Parce que j'ai un code postal. Donc vous voyez, il y a deux niveaux de hiérarchie sur ma lettre. Il y a l'adresse et il y a le code postal. Qui dit... Et c'est là-bas. Et c'est parce qu'il regarde le code postal et qu'il dit, ah, c'est pas le même code postal que chez moi. Donc, c'est une communication distante. distance. Donc, je l'envoie là-bas, au centre de tri de là-bas, et c'est lui qui va le déposer. Vous avez remarqué que sur les boîtes, euh, les boîtes aux lettres, hein, euh, à Paris, en tout cas, en Ile-de-France, les boîtes aux lettres, elles ont euh, deux encoches. L'encoche communication en Ile-de-France et l'encoche les communications distantes. Et selon euh, le code postal du destinataire, vous ne le mettez pas au même endroit. Bref, j'avance un peu. Ensuite, ils font la couche 4. La couche 4, elle est giga mal nommée, je ne supporte pas euh, son nom. Mais ils appellent ça la couche transport. Elle est giga mal nommée. Parce que tout le monde va vous dire, ah, le but de la couche transport, c'est de garantir la bonne réception des messages. Et oui, mais pas uniquement. C'est pour ça que j'aime pas qu'on appelle ça comme ça. Je vais plutôt vous dire, le but de la couche de transport, ça permet pas mal de choses, mais ça permet principalement euh, d'identifier quel logiciel sur la machine distante, euh, à quel logiciel on s'adresse. Comme je vous disais, moi sur ma machine, là tout de suite, j'ai plusieurs logiciels qui font du réseau. J'ai mon Firefox, j'ai mon Discord, euh, j'ai mon OBS qui est en train de balancer sur Twitch, euh, j'ai le Teams et machin, et imaginons que mon ordinateur il reçoive un paquet réseau. Comment, si je reviens ici, lorsque mon ordinateur a reçu cette réponse, il a su que ah, c'est la réponse pour Monsieur Firefox, dans son onglet, qui avait demandé une page. Et qu'il n'a pas balancé ce paquet réseau à Teams, par exemple, en disant Eh, hey, logiciel Teams, j'ai reçu un paquet réseau. Parce que ce n'est pas pour Teams, ce logiciel. Ce n'est pas pour mon Discord, ce n'est pas pour mon OBS. Ce n'est pas pour mon logiciel de dessin. C'est pour Firefox. Donc, comment il a fait pour associer un paquet à un logiciel sur la machine C'est entre, entre autres une des problématiques de la couche 4. On parle de multiplexage. J'y reviendrai un peu après. Mais si vous voulez, si je repousse la métaphore, là, la couche 4, ce serait, euh, on va dire, euh, un numéro d'immeuble, euh, parce qu'en fait, c'est un appart. Euh, c'est une résidence, et il y a le gardien qui, lui, est capable d'attribuer, ils ont tous la même adresse, tout le monde a la même adresse, mais ensuite, il y a un numéro d'immeuble, et c'est le gardien qui fait, ah oui, d'accord, t'as le numéro d'immeuble là-dedans. Donc, je reprends, physique, comment physiquement j'envoie des messages, data link, comment j'établis un réseau local, network, comment j'interconnecte ces réseaux locaux pour faire... Euh, bah, euh, pour faire des communications distantes. Couche 4, c'est comment j'arrive à, euh, euh, à identifier un, un logiciel en particulier, euh, une application en particulier euh, chez le destinataire et chez l'émetteur. Parce qu'il y a plusieurs communications en parallèle. Entre autres. Je suis une version impliquée parce que je ne m'attarde pas plus que ça sur Rosie, parce que j'ai pas envie de m'attarder plus que, plus que de raisons. Ce n'est pas nécessaire de s'attarder plus que de raisons. Ensuite, il y a deux couches sur lesquelles j'ai absolument pas envie de m'attarder parce qu'elles ont... Autant ces couches-là, j'en parle un peu parce qu'elles ont des équivalents et elles, ont... elles ressemblent à des couches qu'on voit aujourd'hui, toutes celles-là. Les deux autres couches que je présente, ben, on s'en fout complètement. On avait une couche qui s'appelait session, qui n'a jamais été implémentée dont le but était de représenter euh, l'établissement d'une communication et sa fermeture de manière gracieuse, blablabla, bla, 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 bla. rien à foutre. Ils avaient une couche qui s'appelait présentation, qui prenait euh, toutes les problématiques euh, d'encodage, euh, euh, -ce comment c'est encodé, c'est en UTF-8, il n'y avait pas UTF-8 à l'époque, mais euh, comment c'est encodé, est-ce que c'est compressé, est-ce que c'est chiffré, blablabla. Bla, bla, bla. Et ensuite, la couche application. Qui contenait le message applicatif en lui-même. L'équivalent de nous, ce qu'on a dans notre HTTP. Alors, je regarde rapidement les questions. Il euh, y a une différence entre Internet et Internet avec un grand I. Ouais, tout à fait. Le grand Internet avec un grand I, c'est juste le plus grand des Internet. Je remonte un peu plus haut. Tout ce que je croyais sur quoi parler le en DUT est mort. Ah oui, le modèle aussi, il est mort, oui. Hein. Euh, sur quel modèle était basé le Minitel C'était encore plus compliqué, c'est un truc dont je ne vais absolument pas parler, euh, un truc qui s'appelait à base de X25, qui était encore un autre modèle et encore un autre concurrent, qui n'existe plus. Les notions de couches existent encore, mais sur le modèle TCP/IP, tout à fait. Euh, c'est pas plus logique d'inverser les couches 2 ou 3. Euh, on va voir après pourquoi elles sont comme ça, c'est quoi la réelle différence L'Internet comme le réseau des réseaux, comme un réseau des réseaux, un méta réseau. Euh, parce que euh, si moi je prends deux réseaux locaux et que je les interconnecte c'est un internet un tout petit internet mais c'est un internet et juste le grand internet c'est le plus gros des internets et ouais je sais je ne comprends pas pourquoi dans tous les DUT dans toutes les FACS tout le monde nous fait chier avec le modèle OSI OSI par-ci OSI par-là euh, OSI RIS OSI OZY... touche-moi-là euh... euh, je ne je, je comprends pas ce modèle est mort ce modèle est mort vous le voyez bien la preuve, elle est là. Il n'y a pas cette couche. Vous le voyez bien. C'est un modèle qui était concurrent, qui a affronté d'autres modèles. Je ne vais pas parler de tous les modèles qu'il y a eu. Donc, il euh, y a eu par exemple chez Novell IPX SPX, qui était un modèle qui était notamment utilisé euh, dans les premiers jeux euh, de Blizzard pour, euh, dans Warcraft 3 et dans StarCraft pour faire des réseaux locaux. On le faisait en IPX à l'époque. Hein. Euh, on, a, on a dû attendre un patch euh, de premier StarCraft pour pouvoir faire des réseaux locaux en TCPIP. Hein. Au début, on ne pouvait pas. Hein. Euh, bref, mais il y a eu différents concurrents, mais il y a eu un concurrent en particulier qui a gagné, qui lui a botté le cul et qui est celui qu'on utilise aujourd'hui. Et ce modèle, c'est le modèle TCPIP. Attention c'est pas le modèle TCP, c'est pas le modèle IP, c'est le modèle, c'est son nom TCP/IP. Et il s'avère que dedans il y a un protocole qui s'appelle TCP et un protocole qui s'appelle IP. Certes, c'est un modèle, le modèle TCP/IP qui a été le concurrent de OSI et qui lui a botté le cul et qui a même botté le cul de tout le monde. Aujourd'hui, encore, si vous ouvrez un bouquin qui a 10-15 ans, on va vous parler qu'il n'y a pas que IP, mais que c'est celui qui a le vent en poupe, qui devient dominant et machin. Aujourd'hui, en 2020, la question, elle est réglée. Communiquer avec des machines, c'est TCP-IP et basta. Il n'y a rien d'autre. C'est l'hégémonie absolument complète. Et c'est pas plus mal parce que la raison pour laquelle il a gagné, entre autres, c'est ce qu'on va étudier après la pause de tout, euh, comment marche ce protocole et tout ça, c'est parce qu'à la grande différence de OSI. OSI était standardisé par l'ISO. Euh, c'était l'ISO, l'International euh, Standard Organization. Euh, et c'était un document payant. Accéder à la documentation, au standard en lui-même, qui demandait les standards, il fallait payer plusieurs milliers d'euros, de dollars. Et en plus, ils sont arrivés, et donc ça, c'était la OSI euh, Reference Architecture, et ils ont proposé une implémentation de ça qui s'appelait la OSI Protocol Suite. La suite de protocole OSI. Ils ont été voir les entreprises en disant Eh hey, coucou, tu veux payer plusieurs milliers d'euros pour avoir ça Et les gens leur ont répondu euh, Non, non, va te faire foutre. Parce qu'en en fait, il y a un autre modèle qui s'appelle TCPIP. Et les gens qui ont fait ce modèle, bah, en fait, euh, bah, en fait là, non seulement la doc, elle est gratuite, tout le monde peut lire le standard, il est disponible gratuitement à tout le monde. Et surtout, il euh, y a une implème Il y a une implème en fait. Et cette implème, elle est gratuite, elle est open source, on a le droit de l'apprendre. Donc en fait, euh, non, en fait. Je ne vais pas payer pour ta chiotte, parce que déjà, euh, ça marche mal. Enfin, tu as, as, as écrit des... Mais ils ont fait la même erreur que fait un épithéen qui n'a pas encore appris à coder. C'est-à-dire, ils ont d'abord fait des grands documents, et après, ils se sont mis à coder. TCPIP, ils ont d'abord codé un truc, et après, ils l'ont documenté. Donc, il y avait une implème, elle était open source, il y avait des standards, tout le monde pouvait les lire. Donc euh, oui, alors il y a léger TCP/IP, mais bon, euh, c'est gratuit, tout le monde peut le lire. Et c'est standardisé par une entité qui s'appelle l'IETF, l'Internet Engineering Task Force. Et ce que nous allons étudier après la pause, ça va être à quoi ressemble ce modèle, pourquoi il ressemble, à quoi il ressemble, et ainsi de suite. Et armé de ça, on euh, fera des cours, on fera des démos, on fera des explications et blablabla. Bla bla, et blablabla. Bla bla. Mais sur ce, à moins qu'il y ait des questions tout de suite auxquelles je vais répondre, euh, Osef Dozy. Euh, Osiris, ouais. Osiris et Faramis, Osei Osborne. Euh, euh, voilà, <laughs> vous vous sentez visé. <laughs> que ça vous serve de leçon. Comment ils ont réussi Parce qu'ils ont fait. Vous avez vu mes conférences, hein des développements itératifs, des petits, de petits devs en petits devs, et on avance et on avance avec des tests et blablabla et blablabla. Et blablabla. Allez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose on se fait 15 minutes de pause, il est moins 5. On se revoit à 16h10, donc dans 15 minutes, et on reprend. Pendant cette pause, je vous implore trois choses. Première chose, si jamais vous avez eu des difficultés pour accéder au cours ou n'importe quoi, si vous ne l'avez pas encore fait, envoyez-moi un message euh, sur Teams. En privé, un MP sur Teams pour me dire j'y arrive pas et je regarde ça avec vous pendant la pause. Deuxièmement, levez-vous, ne restez pas assis, c'est mauvais de rester trois heures assis. Et trois, allez boire de l'eau, on ne boit jamais assez d'eau. Je vous l'impose, je vous implore, pendant la pause, on se lève, on se dégourdit les jambes, on ne reste pas assis sur son ordinateur et on va boire de l'eau. Allez, je vous souhaite bonne pause, on se voit dans 15 minutes, euh, 4h10. À tout à l'heure. Je ouais. ouais, me suis bien dégourdé les jambes. Et j'ai repris de l'eau. Ah, ça va mieux quand on boit de l'eau. J'aime l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Ah, bref. Cette blague à la con étant, euh, étant faite. Euh, oh, putain. Bande de couillons. Bande de couillons. Euh... Bref, j'espère que vous avez pu faire une bonne petite pause, que vous êtes d'attaque, et que vous êtes prêts à manger euh, à manger du lion, enfin à manger, euh, à manger de l'IETF et du TCPIP. Hein? On va manger ça. Donc lui, c'est le protocole qui est gagnant-gagnant. C'est clairement euh, le protocole qui a gagné. Il n'y a absolument euh, aucune ambiguïté sur ça. Mais aussi, c'est un peu de la triche parce que euh, ils n'avaient pas exactement les mêmes responsabilités. C'est-à-dire que OSI, ils se sont dit nous sommes là pour concevoir l'intégralité de toutes les problématiques et blablabla. Mais quand euh, le département de la défense américain, le DoD (Department of Defense), a été voir donc les chercheurs euh, à l'origine de ça. Hein, Vincerf, John Postel, blablabla, bla 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 bla, tous ces gens-là. Il euh, y a euh, seulement un bout des, des responsabilités qui a été à faire. Ils ont été les voir et leur ont dit. Euh, ils leur ont dit. Excusez-moi de recevoir un, un ping. Euh, non, ça va. Euh, attendez juste. Euh, voilà excusez moi c'était juste par rapport à un, à un petit problème sur les listes euh... ok excusez excusez moi euh, je disais avant avant de, de m'embarquer lorsqu'ils ont été les voir ils leur ont dit on a déjà de quoi faire des réseaux locaux on a des réseaux locaux on sait faire des réseaux locaux et il y a, y a déjà plein de technos pour faire ça. On a Token Ring, on a Token Bus, il y avait Ethernet qui commençait à arriver et être prometteur. Euh, on avait déjà euh, toutes ces choses-là. Et euh, ce qui nous intéresse, c'est l'interconnexion de ces réseaux. C'est-à-dire, si on tirait un, tirerait un parallèle avec OSI, une fois plus, attention, ce ne sont pas les mêmes modèles, mais ils ont des choses qui se ressemblent. C'est comme si on leur avait dit et hey, tout ce qui se passe là, t'as pas autant t'en c'est déjà fait. C'est déjà fait, tu peux te mettre au dessus. Et surtout, c'est aussi ça la grande force qui va être de TCP/IP. Et la raison pour laquelle il va battre tous ses concurrents à plat de couture, c'est que dans les contrats, on va lui dire "Je veux pas que vous soyez marié à une techno de réseau local en particulier. Construisez-moi un truc qui puisse interconnecter des réseaux locaux complètement hétérogènes, quelle que soit la techno de réseau local qu'ils utilisent. Tu décides de faire un réseau local en Ethernet, au moment où ils où il commencent à faire ça, Ethernet commence à apparaître à être prometteur. Tu veux, le faire, tu veux le faire tourner sur Ethernet, tu le fais tourner sur Ethernet. Tu veux le faire tourner sur du token ring, un vieux truc complètement ancestral, euh, mais qui, est, qui existait à l'époque tu fais du token ring, tu veux faire du token bus, tu fais du token bus. Tu veux faire du Wi-Fi Du Wi-Fi. Tu veux faire du Bluetooth hein, Ce qu'on appelle les PAN, les personnels Area Network. Tu fais du Bluetooth. Tu veux le faire par pigeon voyageur Tu le fais sur pigeon voyageur. Il y a, une, il y a un document de Poisson d'Avril qui montre le IP over Avian Carrier, le, le, le IP par pigeon voyageur. Et euh, outre le côté Black, c'est aussi pour vous dire voilà le, la force de TCP IP, c'est qu'il tourne sur tout. Tu m'interconnectes des réseaux locaux complètement hétérogènes. Bon alors de nos jours, hétérogène, hétérogène, il euh, bah y a Ethernet partout. Il hein, y a de l'Ethernet partout. Mais, en tout cas, sa grande force, parce que dès qu'il y avait un concurrent de TCPIP qui voulait être une alternative à TCPIP, ça devenait Yetanosaur Protocol sur lequel TCPIP pouvait tourner. C'est une sorte de slime qui dévorait tout sur son chemin, si vous voulez. Et c'est comme ça que TCPIP, il a botté le cul de ses concurrents. Et donc, quand on va les voir... Leur modèle est un peu différent. On leur dit, il y, euh, y a déjà, je vais le faire en bleu, il y a déjà ici de quoi faire des réseaux locaux. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi qui le définis, c'est une donnée externe. Et on appelle cette couche, cet endroit, le host network. Le réseau qui se fait au niveau du host et euh, sa manière à lui dont il a pour communiquer, blablabla, c'est pas mon problème. Ensuite, toi, tu vas faire ta magie à l'intérieur. Fais ta magie, opère ta magie. Et au-dessus, on aura l'application. Donc, le truc pour faire des réseaux locaux et c'est pas mon problème qu'on me fait son réseau local je suis complètement agnostique, ma magie à moi et ensuite l'application. et donc c'est sur ça qu'ils partent mais vous êtes peut-être en train de vous dire euh, attends parce que là si j'ai bien suivi 1 2, 3 donc un message, une enveloppe, deux enveloppes. Hmm. Attends. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui se passe J'ai mal compté Eh bien, en fait, au tout début, lorsqu'ils ont commencé à faire ça, donc l'IETF, quand ils ont commencé à faire ça, euh, ils étaient partis sur un seul gros truc au milieu, qu'allait être un seul énorme protocole qui allait euh, qui allait gérer tout ce qui était nécessaire pour l'interconnexion de ces réseaux locaux. Et il, il s'appelait juste TCP. C'était l'énorme TCP, le Transmission Control Protocol. Parce qu'ils ne voulaient pas découper en couches, parce qu'ils avaient vu ça, ils disaient euh, ça, euh, no fucking way, on fait pas ça. C'est hors de question. C'est hors de question. On fait pas ça. Mais eux-mêmes, ils ont été obligés de se rendre compte que c'était peut-être un peu too much. Et lorsqu'ils rédigent des documents, quand ils rédigent des standards, ils les rédigent à hein, euh, l'IETF dans des documents qui s'appellent les RFC, les Request for Comments. Les RFC, c'est les documents standards euh, qui standardisent. Mais il y a aussi des RFC de discussion. Et je vous montre la RFC qui s'appelle la RFC IEN2 euh, ici. Et. Qui date de 1977 par John Postel. John Postel, qui est un des inventeurs de TCPIP, de TCP hein, qui a vraiment une magnifique tête de. Qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Magique. Et à côté, euh, d'ailleurs, et son, et son copain, euh, Vincerf. Et vous allez vous dire, tiens, il ressemble à quelqu'un. Et si il vous fait penser à un certain personnage dans le troisième Matrix, c'est tout à fait normal. L'architecte dans Matrix est un hommage à Vint un des inventeurs de, de TCP/IP. Il a quand même le gigaswag. Franchement, il a quand même le gigaswag. Mais bon, là, c'est pas Vint qui a écrit, c'est John Postel qui est l'éditeur des RFC. Et regardez, c'est au moment où je vous dis, ils ont un seul gros bloc et ils se rendent compte parce qu'ils veulent pas, mais ils se rendent compte que c'est la merde. Et là, ils commencent, ils ont qu'un seul truc qui s'appelle TCP. On est en train de se merder de notre design. Littéralement, ça commence. On est en train de se merder. Hein, eux, ils ne sont, sont pas dans la langue de bois. Hein. Euh, en violant le principe de layering, on essaye d'utiliser TCP pour faire deux choses servir comme un host-level end-to-end protocole. Et servir à za Internet Packaging and Routing Protocol. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est, je reformule, il y a malgré tout dans ce que j'ai à faire deux problématiques différentes. Une problématique qui concerne les hosts, l'émetteur et le récepteur des problématiques de bout en bout, et également des problématiques qui servent à trouver son chemin, problématique de trouver la bonne route. Ces deux choses devraient être faites de manière en couche et modulaire. Et il faut qu'on invente un truc, et c'est là qu'ils disent on va se servir de TCP uniquement comme un host-level end-to-end protocol, et, et une interface entre cela. Et il dit une interface entre le, le Internet host-to-host -host protocol, ce que nous on appelle TCP, et le Internet hop-by-hop -hop protocol. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a deux problématiques différentes. Et attention, je ne suis pas en train de parler de OSI. On réinvente les problématiques, mais à la sauce TCP/IP. Ce qu'on est en train de dire, c'est, je reviens après sur ce schéma, moi j'ai un labyrinthe de plein d'appareils de plein de réseaux. Donc ici, j'ai mon appareil, il est connecté à un réseau euh, ici, qui lui-même est connecté à un réseau là, qui est connecté à un réseau là, qui est connecté à un réseau là, ici, ici, là, là, d'ailleurs, toi, tu es connecté comme ça, toi, tu es connecté comme ça, euh, bam, 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 là, et ici, et là, dans ce réseau ici, il y a mon destinataire. Ici, j'ai l'émetteur. Ici, j'ai le destinataire. Et ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, attends, 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 il y a deux problématiques séparées. D'une part, il y a une problématique qui est de trouver son chemin dans le labyrinthe des interconnexions de réseaux. Parce que j'ai un labyrinthe d'interconnexion de réseaux. Et chacun de ces trucs est un réseau local. Ça, c'est un réseau local. Ça, c'est un réseau local. Ça, c'est un réseau local. Tout ça, c'est des réseaux locaux. Et peut-être que lui, il est en Ethernet, lui, il est en quelque chose d'autre, et blabla. On s'en fout. Mais du coup, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a déjà une responsabilité qui est de trouver son chemin. Lorsque j'envoie un paquet ici, alors... À qui je le renvoie à chaque fois que je suis dans un carrefour Alors, je vais là, je vais là, je vais là, où est-ce que je vais ben Là, par exemple, on va dire ah bah, ben, supposons qu'ils disent qu'on va par là. Ah, et maintenant, je vais par là, je vais par là. Ah, ok, on va par là. Et donc, à chaque fois, il y a besoin d'un appareil ici, le facteur, si vous voulez hein. on verra après que ce facteur s'appelle le routeur. Mais on a besoin d'un appareil ici qui inspecte le paquet, qui inspecte les enveloppes pour dire, ah, par où on va Donc la seule question qui se pose, c'est par où on va Quel est le chemin que je prends Mais j'ai une autre problématique, et je n'ai pas envie de pourrir mes appareils ici avec cette problématique. J'ai aussi des problématiques qui ne concernent... Que ces machines au bout et dont les appareils intermédiaires, si je trace le chemin qui est pris bam, 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 avec chaque fois des appareils, hein, un appareil là, un appareil là, un appareil là, un appareil là. Une problématique qui intéresse les machines en rouge et en bleu, mais dont les appareils intermédiaires n'en ont rien à foutre. Et qu'est-ce que ça peut être ces problématiques bah, Un exemple de problématique, ça va être justement Eh, hey, il y a plusieurs applications ici. Parce que peut-être que je vais accéder à une page web en accédant à son serveur web, mais peut-être qu'il y a aussi un serveur SSH et un serveur de mail. Donc moi, le paquet réseau, je l'envoie à quelle application Ça, c'est une problématique qui est importante. Ce serait quand même bien que dans mon message, il y ait marqué quelque part dans une des enveloppes, sur une metadata, à quelle application je suis en train de m'adresser. Mais ces appareils intermédiaires, ils n'en ont rien à foutre. Ça, c'est la problématique de la machine quand c'est ça. Un autre exemple de problématique. Eh, euh, hey, par exemple, imaginons que je suis au téléphone. Ah, Excuse-moi, euh, tu parles un peu vite. Est-ce que tu pourrais ralentir, s'il te plaît J'arrive pas à suivre. Ça, c'est une problématique qui concerne les, les, les appareils en bout. Un autre exemple de problématique, ça va être... Attention, je vais dire un truc très important. Confirme-moi que tu as bien reçu. Envoie-moi un accusé de réception. Envoie-moi un accusé de réception. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit Répète ce que je viens de dire. Tu as bien compris ça, c'est une problématique importante. On a envie de l'avoir, cette problématique. Mais ces appareils intermédiaires, ils en ont rien à foutre. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il y a des choses qui concernent uniquement les appareils intermédiaires. Et c'est la question trouver son chemin. Comment de carrefour en carrefour, de saut en saut, je trouve mon chemin Ce qu'il appelle le. Internet hop by hop protocole, hein, le Internet Packaging and Routing Protocol, et il dit, il y a également la problématique de ces appareils ici qui les concernent uniquement eux, qui sont des trucs pour qu'ils se comprennent mieux. Parle plus vite, parle plus lentement, envoie-moi un accusé de réception, à quelle application je suis en train de parler en particulier, parce que je peux parler à plusieurs applications. Et ça, ce qu'il appelle le euh, Internet... Host-to-host host protocol, hein, le host level, au niveau des hosts, c'est-à-dire au niveau des extrémités, les hosts, donc pas les appareils intermédiaires, end-to-end end protocol, de bout en bout. Et donc, ce qu'il dit ici, on va séparer ça en deux. Et donc, nous allons avoir deux couches une couche qui sert uniquement à l'interconnexion des, euh, des réseaux ce qu'il appelle la couche internet mais dans sa tête dans leur tête internet avec un petit i pour faire des internets des internetworks des interconnexions de réseaux et une couche qui est toujours aussi mal nommée à mon goût qui est la couche de transport parce qu'une des problématiques est la garantie de bonne réception des messages. Mais moi, je n'aime toujours pas ce nom-là. Je préfère que vous reteniez que la couche de transport, c'est les problématiques qui concernent uniquement les extrémités. Et notamment le fait de trouver à quelle application je suis en train de parler. Et en gros, comment ça fait hein Comment on fait pour savoir sur quelle application on est en train de parler C'est quoi l'équivalent bah, C'est avec notamment la notion des ports, hein, bien sûr les ports TCP et les ports UDP. Hein, le serveur web, il écoute sur le port 80. Le serveur euh, SMTP, le SMTP, c'est le protocole de mail. Le serveur de mail, il écoute sur le port 25. Donc si je veux parler au serveur HTTP, j'envoie un message avec le port 25. Et si j'envoie euh, un, un, euh, si un, un serveur web sur le port 80, si j'envoie un mail, c'est sur le port 25. Et du coup, les appareils intermédiaires, c'est ça qui est super intéressant, ils ne regardent que cette enveloppe. Ils n'ont pas besoin, les appareils intermédiaires, de regarder cette enveloppe-là c'est que l'appareil final qui regarde cette enveloppe, qui se base sur le numéro de port qui est marqué dans cette enveloppe, c'est dans cette enveloppe qui est marqué le numéro de port, pour ensuite envoyer à la bonne application qui est en train d'écouter. Tiens, monsieur le serveur web, j'ai un message pour toi. Comment je sais que c'est au serveur web, parce que le port ici me disait que c'était le port qui était associé à l'application qui était là. Et donc, on se retrouve avec quatre couches. On a la couche host network qui est un énorme sac dont j'ai rien à foutre, qui est la manière avec laquelle le réseau local fait son taf. Par exemple, en Ethernet, c'est l'exemple que vous avez ici, par exemple, en Ethernet, avec une entête avec des adresses Mac, ici, qui disent Mac de source, Mac de destination, parce que le switch va trouver son bon chemin et blabla. J'en parlerai un tout petit peu, parce qu'il faut quand même en parler un peu, mais pas plus que ça. Mais ici, comprenez que TCP IP, il n'en a rien à foutre de ça. Il fait confiance au truc de réseau local et il s'avère que le truc de réseau local a fonctionné de cette manière-là. Ensuite, une problématique qui permet de trouver son chemin, qui concerne uniquement les appareils intermédiaires, qui est euh, la couche IP pour Internet Protocol, le protocole pour interconnecter les réseaux. Et on verra que c'est tout à basé sur un système d'adresses et qu'on se sert des adresses pour rediriger. C'est comme le code postal. On va voir ça juste après. Et transmission proto control protocole. Et là, vous voyez le port. Port de source. Alors là, c'était la réponse. Je vais plutôt aller ici port de source, port de destination. Il y a aussi un port de source pour identifier que c'était bien mon application Firefox quand elle attend une réponse et quand je recevrai la réponse, ce sera à l'application qui écoute sur le port ici à qui il faut envoyer la réponse. Parce que si mon Firefox il envoie une demande pour accéder à une page web, euh, c'est pas euh, à mon Teams et à, ou à mon Discord de recevoir la réponse à cette requête. Donc le, le client aussi a un port, mais vous ne le voyez pas parce que euh, il est généré de manière aléatoire. Mais bref, et des histoires. Mais principalement, TCP, c'est pour les appareils aux extrémités. Les appareils du milieu, ils en ont rien à foutre. Parce que pour faire leur taf, la seule chose dont ils ont besoin, les routeurs, les appareils intermédiaires, ils s'appellent les routeurs on va voir ça juste après ils ont juste besoin de regarder l'IP de destination. Et l'IP de destination va leur donner tout ce qui est nécessaire pour trouver le chemin et se balader dans le labyrinthe des interconnexions réseau. Ici, si on a le message applicatif. Voici les quatre couches. Bam, 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 bam. Alors, est-ce qu'il y a des questions IP, les, liens de, les liens de soif, IP over time. Alors, la RFC 1149, tout à fait, tout à fait, la fameuse RFC 1149. Je ne connais pas les numéros par cœur, mais c'est le euh, IP over avian carrier. La voilà. Euh, bien sûr, hein, 1er avril. <laughs> Vous faites pas avoir. Euh, mais IP over avion carrière. Mais, euh, euh, mais où de son côté drôle. Mais ou de son côté drôle. Elle représente le fait que IP s'attende vraiment euh, sur tout. Quoi. Le temps de tout assimiler. Ouais, j'attends tranquillement. Euh, alors pourquoi TCP-IP et pas IP-TCP euh, J'étais pas là au moment où ils ont nommé ça, je pourrais pas te dire. temps de tout assimiler, euh, ouais. Donc j'ai balancé beaucoup de choses. Hein. Il faut un tout petit peu de temps. Je ferai une petite pause de quelques minutes, le temps que vous posez des questions. J'attends tranquillement, parce que je vois qu'il y a des gens qui posent des trucs. J'attends tranquillement pour pouvoir répondre. Alors FC est être adapté pour euh, une mini dev de adresse MAC et port. Euh, J'y viens euh, tout de suite, je vais en parler euh, tout de suite. Le port, c'est l'information qui se trouve euh, dans euh, la couche de transport qui permet d'identifier une application donnée au sein de la machine. Par exemple, le serveur, c'est juste un numéro. C'est juste une entrée où il y a marqué un numéro. Et on appelle ça un port. Si tu veux, c'est comme si on avait plusieurs fenêtres et c'est dans quelle boîte aux lettres au sein de l'immeuble. Euh, les appareils intermédiaires correspondent à des serveurs, non, ils correspondent à des routeurs, et on va voir ça juste après. À quoi correspond l'adresse MAC si chaque périphérique a une IP C'est ça qui est très intéressant, on va en parler juste après. C'est que l'adresse MAC, c'est pas universel, c'est propre aux réseaux qui font de l'Ethernet, l'adresse MAC, enfin l'adresse Ethernet. Et IP, c'est un langage universel, donc parfois tu seras IP sur un. Euh euh, sur un réseau local qui ne fonctionne pas avec des adresses MAC, par exemple. Donc, en fait, toutes tes machines, elles sont bilingues. Elles parlent un dialecte local pour parler euh, localement, et également une langue universelle qui permet de s'interagir avec les autres. C'est pour ça euh, qu'on a besoin et de l'adresse MAC et de l'adresse IP. Mais de nos jours, on pourrait concevoir, c'est un peu une erreur historique, hein. c'est parce qu'on a évolué pendant 30 ans, le fait qu'on ait encore des adresses MAC. Aujourd'hui, s'il n'y avait que l'hégémonie de IP, qu'on réinventait tout aujourd'hui proprement, euh, je pense qu'on pourrait concevoir un truc sans adresse MAC. C'est pour des raisons historiques que les réseaux locaux, parce qu'on doit supporter différents trucs. Alors, euh, si tu reformules, IP permet de se balader de cluster en cluster, et le TCP, c'est pour trouver la bonne application. C'est excellent, un excellent résumé. TCP fait un peu plus aussi, mais en gros, oui, complètement, c'est un excellent résumé. Et oui, tu as entièrement raison, on ne parle que d'adresse publique, pas encore de réseau privé. C'est dans un cours suivant, pour l'instant, dans un monde parfait où il n'y a pas de NAT. Et j'imagine que par cluster, tout voulait dire un réseau local. On va de réseau local en réseau local et une communication distante n'est jamais qu'une succession de communications locales. Mais sinon, c'est un excellent résumé. Euh... Je remonte également la RFC euh, euh, 6250. C'est pas la peine de la retenir par cœur. Hein. C'est pas la peine de retenir par cœur euh, ces numéros de RFC. Hein. Mais euh, je vous montre, parce qu'ils euh, ont ici euh, ce schéma que je trouve très, 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 très bien. Vous voyez, regardez. Le link layer, ou host network layer, les deux, les deux vous allez le voir. C'est ce qui permet de faire des réseaux locaux. Et à chaque fois, on a IP. Ici, on a un appareil intermédiaire. Et ici, on a euh, les appareils terminaux. Vous allez également avoir un truc ici, ouais, ici dans la RFC 1180, j'ai cherché des RFC qui expliquent ça. Euh, et notamment, euh, je ne me rappelle plus, euh, mais quelque part, il euh, y, y a une RFC quelque part qui, euh, qui fait un super schéma et qui montre le système de couche de TCP/IP. Mais bref, avec ça, vous avez ce qu'il faut. Euh, du coup, oui, on parle que d'adresse publique. Donc, je vais reprendre tout ça et je vais l'illustrer. Je vais reprendre tout ça et je vais l'illustrer. Pas de panique. Alors, pour illustrer ça, euh, déjà, nommons quelques, quelques protocoles qui se baladent un peu dans cet univers. Parce que vous voyez, euh, une des raisons pour laquelle. On parle d'abord de OSI avant de parler de TCP/IP. C'est que si je ne fais que parler de TCP/IP, pour l'instant je ne parle que de TCP/IP, euh, vous voyez, il y, a encore, euh, il y a encore un flou ici. Et peut-être que c'est cool que du point de vue des gens qui ont défini euh, l'Internet, TCP/IP et tout ça, ils n'ont pas besoin de se soucier à ça, c'est cool. Sauf que moi, en tant qu'ingénieur réseau qui branche des câbles et qui configure des machines, euh, j'ai quand même envie de savoir à quoi ça ressemble, ça. Et donc si je ne parlais que de tcpip, j'aurais qu'un bout de l'histoire. parce que là, pour l'instant, je pars du principe que, magiquement, on a des réseaux locaux et, magiquement, ils ont le droit à une couche à eux pour faire de la magie. avec des adresses mac, c'est quoi les adresses mac, j'en sais rien. on va voir ce que c'est. mais il y a de la magie ici. alors, vous en doutez bien que bon, nous, euh, nous, on a quand même besoin de savoir. eh bien, en fait, le gros problème, c'est que si on ne parlait que de tcpip, on se ferait avoir. Et en fait, pour ces raisons, la plupart des gens, même si c'est vraiment TCP IP qui marche, hein, on a tendance à raisonner de manière un peu hybride et à réfléchir en même temps à ce qui se passe ici. Alors pour comprendre ce qui se passe ici, il faut savoir que de la même manière que toute cette partie du haut, tout le TCP, tout le modèle du Nord, si vous voulez, est géré par euh, l'IETF, qui produit des RFC, des documents standards, pendant ce temps-là, il y a des gens qui standardisent des manières de faire des réseaux locaux. Et en particulier, il existe une entité qui s'appelle l'I3E pour l'Institute of Electronics and Electronical Engineers, of Electrics and Electronical Engineers, Electrical and Electronical, pardon, les ingénieurs électriques et en électronique. Euh, et en gros, vous connaissez peut-être l'I3E parce que l'I3E font différents groupes de travail qui ont des noms, des numéros. Et par exemple, vous avez l'I3E754 qui a standardisé comment on gère les nombres à virgule euh, sur les ordinateurs. Comment on représente un nombre à virgule en binaire. Ils ont fait un standard pour ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le groupe de travail I3E802. Et I3E802, ils ont joué à Pokémon parce qu'il fallait tous les attraper. Ils ont fait l'inventaire de tous les protocoles de réseau local qui existaient pour établir des réseaux locaux. Et à chaque fois, ils les ont standardisés euh, sous leur coupelle. Et, donc, et à chaque fois avec un petit numéro. Et donc, par exemple, euh, Ethernet est standardisé sous le nom 802.3. Euh, Wi-Fi est standardisé sous 802.11. Vous avez sûrement vu 802.11 quand on parlait de Wi-Fi. 802.11, c'est le sous-groupe 11 euh, de l'i3e 802, et le nom standard de Wi-Fi, c'est 802.11. De la même manière que le nom standard de Ethernet, c'est 802.3. Euh, tout ce qui est réseau personnel, j'en avais parlé, les PAN, les personnels Area Network, Bluetooth, et RFID, tout ça, machin, c'est 802.15. Euh, on a également euh, d'autres euh, trucs. Hein. Mais comprenez que eux, ils produisent des documents. Et eux, là. Et eux, par contre, ils. Merde, non. Ah Et eux, ils sont un peu plus chiants parce que là, c'est les documents qui sont payants, c'est chiant à obtenir. C'est écrit avec un grand verbiage. Mais aujourd'hui, pour faire fonctionner euh, l'Internet, il y a la fusion entre le Royaume du Nord, géré par l'IETF, qui produit des RFC, et le Royaume du Sud, pour les réseaux locaux. Qui, produit, qui est l'I3802 qui produit des standards pour faire différents protocoles de réseau, euh, de réseau local. Et bien sûr, vous vous en doutez bien, ces deux entités ont un jeu qu'ils adorent c'est de prétendre que l'autre entité n'existe pas et réinventer la roue en faisant comme si l'autre n'existait pas. Ils se tirent sur la gueule en permanence, bien évidemment. Et euh, tout ici est un terrain de friction. Où euh, on invente des protocoles de layer 2 qui vont manger ce qui se passe plus haut, et ici on invente des protocoles de layer 3 qui vont manger ce qui se passe plus bas. Hein. Euh, c'est la guerre, hein. on ne croyait pas qu'on est dans un environnement euh, qui est beau, qui est joli. Hein. Je suis en train de. À, à, en même temps, parfois, euh, en réseau, vous allez souvent me poser la question pourquoi les choses sont comme ça et, Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment de sens que les choses soient comme ça. Et souvent, la réponse est oui, c'est historique, et c'est parce qu'il y a des trucs qui se foutent sur la gueule. Pourquoi on a besoin des adresses MAC J'ai l'impression qu'on pourrait concevoir un monde où il n'y a pas d'adresse MAC. Oui, on peut, mais euh, c'est comme ça. Donc voilà, euh, vous faites pas avoir. Alors si on nomme quelques protocoles qu'on va trouver euh, là-dessus, donc les protocoles pour faire des réseaux locaux, on a euh, forcément, j'ai pas arrêté de le mentionner, Ethernet, qui est celui qu'on va manipuler à chaque fois. Wi-Fi, vous savez c'est quoi l'acronyme de Wi-Fi Ce que ça signifie Ça signifie rien. Ça a été inventé pour sonner comme Hi-Fi, Wi-Fi, mais euh, ça ne représente rien. Il n'y a pas de Wireless Fidelity. Ça ne veut rien dire Wi-Fi. Euh, qui d'ailleurs a été conçu pour ressembler, comme de d'eau à Ethernet. Euh, vous avez tout ce qui est Bluetooth. Euh, vous avez des trucs que vous allez plus trouver euh, dans les trucs industriels. Mais par exemple, euh, si vous êtes en fibre optique, euh, ce qui relie euh, votre box en fibre optique euh, au NRO, au nœud de raccordement optique, euh, c'est pas de l'Ethernet. Enfin, c'est du GPON pour Global Passive Optical Network. En vrai, c'est de l'Ethernet over GPON, mais chut. Euh, mais bref, c'est du GPON. Il euh, y a du SONET. Il y a du machin. Il y, y, y a plein de trucs. Mais tout le monde est rallié sous la coupole unique. One protocol to rule them all and in the darkness to bring them all and in the darkness bind them. global Je déteste le Seigneur des Anneaux. Je trouve que c'est de la merde. C'est trois films où il y a des gens qui se rendent d'un point A à un point B. Blasphème, je sais. Team safe, team science fiction, mort à la fantasy. Bref, on a un protocole qui les domine tous. IP. Et au-dessus de IP, qui est le tapis universel, peut-être que localement tu parles ton dialecte. Peut-être que localement tu parles ton dialecte. Je vais un peu tirer, c'est comme si bah, en Corse on parle le Corse, en Bretagne on dit Kenavo. Mais lorsqu'on parle à un niveau national, si on veut se comprendre, on parle tous la France. Et bien sûr, euh, euh, si vous connaissez un tout petit peu l'histoire de France, euh, l'unification d'un pays, euh, ça se fait toujours. Euh, euh, avec la guerre, avec des coups d'épée, avec du sang, avec de la torture et avec des manières plus ou moins euh, violentes. Et après, on réécrit l'histoire en disant qu'on a toujours été très gentils et que les gens se sont ralliés à nous euh, par gaieté de cœur parce qu'ils croyaient en notre projet commun d'unification. Bien évidemment. Hein. Euh. <laughs> mais bref. Donc, IP, euh, si on veut tirer euh, la métaphore, c'est comme si donc, on avait des gens qui, localement en Corse, euh, bah, ils se parlent corse, euh, en Bretagne, ils se parlent en breton, mais lorsqu'ils doivent communiquer entre eux, ils parlent une langue national et universel qui permet de les, euh, de les interconnecter et donc ils ont deux langues ils sont bilingues bref au dessus de IP euh, on a les protocoles de transport il y en a plusieurs mais je vais en parler que de deux parce qu'on a deux choix de design TCP/IP fournit deux choix euh, il fournit euh, TCP et euh, UDP UDP c'est le petit frère de TCP. D'abord il y avait TCP et en fait UDP c'est plus une absence de design. Ils ont pris TCP, ils ont retiré tous les bouts qui leur plaisaient pas pour juste rester sur l'essentiel. Donc c'est la version c'est le petit frère de TCP, c'est la version light si vous voulez. Je reviens après et ensuite on a plein de protocoles applicatifs qui au choix se basent sur TCP ou se basent sur UDP selon leurs besoins. Selon les besoins qu'ils avaient. Alors qu'est-ce qu'on connaît comme protocole qui se base sur TCP euh, Bah on connaît euh, HTTP on connaît euh, SMTP par exemple, port 25, SSH, port 22, différents trucs. Qu'est-ce qu'on connaît comme protocole UDP Là, généralement, les gens ils galèrent un peu. Euh, alors UDP, c'est quand je m'en fous de la bonne garantie de réception des messages. Et donc, par exemple, c'est quand je fais un jeu vidéo pour aller vite et pas avoir de latence. Hein c'est le truc que vous allez répéter tous comme ça, euh, comme des robots. Que tout le monde répète. Alors qu'en vrai, il y a plein d'exemples où, euh, où on voit du UDP. Euh, Par exemple, euh, DNS. DNS, c'est de l'UDP. Pourquoi euh, Sans rentrer dans les détails, c'est parce que comme il envoie qu'un seul paquet, et que toute la requête tient en un seul paquet, ça ne sert à rien de faire tout l'établissement de ces machins et tout ça euh, pour juste envoyer un paquet, en fait. Et euh, si j'ai pas de réponse, bah, je fais juste un timeout et je recommence. Donc, pas besoin de toute cette garantie de payer le prix de TCP. Euh, un autre qu'on va avoir, c'est DHCP, qu'on verra. Bref, ce que je veux que vous reteniez, c'est un peu ce, ce, ce schéma-là et ce qu'on appelle le modèle en sablier. Vous voyez, le modèle en sablier, comme ça. Tout tourne autour de notre seigneur et maître IP. Bon, il n'est pas parfait, IP. Hein, il a plein de problèmes, hein, comme tout. Mais... Voilà, je veux que vous reteniez un peu euh, ce schéma. Je vois rapidement au niveau des questions. Ah, oui, FTP, oui. Euh, le ou la Wi-Fi, euh, rien n'a pas de genre, je vais regarder un peu rapidement les questions. Euh, euh, donc on a hop, pas hoop, hop HOP, un hein, hop, un saut. Hop to hop IP, host to host TCP, tout à fait. Euh, les appareils intermédiaires, c'est des routeurs. L'adresse Mac, c'est le McDonald's le plus proche de chez vous, ouais, bravo. Le ou la Wi-Fi, j'en sais rien, moi j'ai toujours dit le Wi-Fi. Vive Fondation, ouais, clairement. Ouais, j'aime pas le serre les anneaux et j'assume. Euh, et ouais, FTP par exemple, FTP qui est un protocole, le File Transfer Protocol, port 21, qui est basé sur euh, TCP. Doudave, doudave, doudave. Alors, tu n'as pas bien compris c'était quoi l'IETF L'IETF, c'est l'Internet Engineering Task Force, c'est l'entité, le groupe qui s'occupe de standardiser. C'est l'organisation humaine qui s'occupe de standardiser. Oui, FTP, c'est 20 et 21, tout à fait, parce que c'est en deux ports. Euh, si tu regardes l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, c'est l'organisation qui rédige les RFC. C'est les gens qui rédigent les standards de l'Internet. Donc, l'IETF, c'est l'organisation qui s'occupe de standardiser et de rédiger les standards. C'est une organisation libre, non-profit, euh, et qui rédige des trucs libres. Euh, international, blablabla, blablabla. Bla bla L'Internet Engineering Task Force. Euh, voilà. Torrent, c'est de l'UDP. Euh, nickel. Euh, du coup, du coup, du coup, du coup, euh, on a ce super truc, mais du coup, et c'est là que c'est un peu euh, bizarre, en vrai, on pourrait appeler ça, du coup, contrairement au modèle OSI, qui, je rappelle, ne ressemble en... Enfin, ça ressemble au modèle OSI, mais ce n'est pas la même chose toute ressemblance avec le modèle OSI est fortuite. C'est pas parce que ici il y a une couche qui s'appelle internet que c'est la même couche que lui la network. Et c'est pas parce que ici il y a un mec qui s'appelle transport et ici un mec qui s'appelle transport que c'est les mêmes. Ben non, non non non, attention. Ça ressemble, mais malgré tout. Parce que les gens sont tenaces. Les gens ont tendance à raisonner avec le modèle hybride. Et dans le modèle hybride, il, en gros, ce qu'on appelle le modèle hybride, c'est je prends TCP-IP, mais j'ouvre un peu le capot de ce qui se passe là-dedans, si vous voulez. Le modèle hybride, c'est TCP-IP, mais je veux quand même savoir à quoi ça ressemble ça. Quoi. Mais en pratique, on n'a pas vraiment besoin de le séparer en 1 et 2. Enfin, on peut le séparer en 1 et 2 dans le modèle hybride. Mais comme en pratique, l'i3E802, les, les quand elle rédige un standard, elle rédige et sa couche 1 et sa couche 2. C'est dur de définir un protocole euh, de réseau local euh, à la fois au niveau logiciellement quand on vient marcher et en même temps euh, sans en même temps définir comment euh, physiquement à quoi il va ressembler en termes de câblage ou n'importe quoi. Donc généralement, la couche 1 et la couche 2 viennent de pair. C est, c est, ça paraît bizarre de définir l'une sans définir l'autre. C'est rarement modulaire. Mais bref, pour plein de raisons qui sont chiantes, on pourrait naïvement appeler ça les couches. 1 2 3 4. On pourrait. Mais c'est pas ce qui est fait. Et parce que le réseau, c'est de la merde, c'est compliqué et ça dit et, et c'est des fruits historiques et des trucs historiques qui nomment les choses. La manière dont la plupart des gens lorsqu'ils discutent et qu'ils réfléchissent, ils nomment, ils numérotent ces couches par rapport à leur Ressemblance dans le modèle aussi, histoire que ce soit le bordel, parce que c'était pas suffisamment le bordel. Le fait que j'ai dû vous parler d'un premier modèle et d'un deuxième, ce modèle, il a beau être mort, il continuait à nous emmerder depuis la tombe. Et pour des raisons historiques que tout le monde a nommé ça comme ça dans le jargon et que c'est resté, la manière dont on nomme ces couches, qui attention, même si elles ont des noms qui ressemblent, même si elles ont des responsabilités qui ressemblent, ne sont pas les mêmes couches, attention, elles ne sont pas les mêmes couches, elles y ressemblent, mais c'est tout. Mais malgré tout, à cause de la ressemblance, comment nous allons nommer ces couches Aussi stupide que ce soit, c'est comme ça. Cette couche-là, on va appeler ça la couche 2, la couche qui permet de faire du réseau local, le link layer. Host Network ou Link Layer, Link ça veut dire un lien, ça veut dire un réseau local. Dans le monde de TCP/IP, un Link ça veut dire un réseau local. Par exemple, le protocole qui permet de découvrir ce qui se passe au sein d'un réseau local, vous savez sur Windows, quand vous allez dans le centre réseau et partage et qui vous dit automatiquement Ah, bah tu as une box ici, tu as trois appareils connectés et tout ça, c'est fait avec le LLDP, le Link Layer Discovery Protocol, le protocole de découverte sur la couche du Link, sur le Link Layer. Donc la couche 2. On appelle ça la couche 2. On n'ouvre pas trop le capot de ce que c'est la couche 1 ou 2 ou n'importe quoi parce que c'est 20 père quoi. Donc Ethernet, c'est de la couche 2. Wi-Fi, c'est de la couche 2. BT, Bluetooth, c'est de la couche 2. Et ainsi de suite. IP, par ressemblance à la couche de network, ressemblance uniquement, on va appeler ça la couche 3. TCP et UDP, on va les appeler la couche 4. Et bien sûr, parce que sinon, ce serait trop simple. On l'appelle la couche 5, celle-là Eh ben non Parce que l'application ici, c'était la septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah ben ça, on l'appelle la couche 7. Et donc, les quatre couches du modèle actuel ne sont pas 1, 2, 3, 4, sont 2, 3, 4, 7 par rapport à un protocole qui est mort, euh, par rapport à un modèle qui est mort et qui n'a rien à voir. Et Ensuite, nous en tant que prof de réseau, on doit essayer d'expliquer que non, 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 OSI, OSI et TCPIP, c'est pas la même chose. Hein. Et ensuite, à l'élève qui dit, mais je comprends pas si ça a rien à voir, bah pourquoi transport, on l'appelle numéro 4 1 hein, est en mode parce que c'est de la merde, <laughs> et de la même manière, mais alors, et dans ce cas-là, si on a ça, pourquoi on a besoin de cette couche là Parce que c'est de la merde, je suis désolé. <laughs> C'est de la merde. Si on devait réinventer le monde, clairement, euh, si je pouvais faire mon Thanos euh, et que je pouvais euh, claquer des doigts, eh bien franchement, je renommerais ces couches-là. <laughs> et je les renuméroterais, clairement. Alors, euh, fuck SI, ouais. <laughs> Tout à fait. <laughs> Mais bon, les couches, donc je rappelle rapidement, revenons sur les couches. Le rôle de la couche 2 est... D'établir un réseau local, comment au sein d'un réseau local nous arrivons à nous parler. Le but de la couche 3, l'interconnexion des différents réseaux locaux. Ok Donc j'ai plein de réseaux locaux, potentiellement hétérogènes, pas tous avec les mêmes protocoles, et je les interconnecte. Le but de la couche 4, pour les appareils de bout en bout, reprenez ce schéma ici, les problématiques de bout en bout, le numéro de port pour parler à la bonne application, euh, les problématiques d'accusé de, de réception, de bonne réception des messages, et tous ces trucs-là, et blablabla, et blablabla. Le but de la couche 7, c'est l'applicatif. Si vous avez bien compris ça, on est content. Je regarde, partage des POT, ok, rien de nouveau, tout va bien. Donc je laisse petite pause de 3 secondes, enfin de, de 3 secondes, de 20 secondes là-dessus. Regardez bien ça, synthétisez bien ça. Le royaume du nord, l'IETF, le royaume du, du sud, l'I3E802, qui collabore pour faire ce qu'on appelle à peu près le modèle hybride. Mais en vrai, c'était CPIP. Hein. Comme ça. Attends, je vais juste un message que j'ai reçu. Euh, ok. Parfait. Pas trop de questions. Euh, Peut-on rappeler la, couche, la différence entre la couche 4 et la couche 7 euh, La couche 4 euh, ne, est agnostique. Elle sert de support. C'est comme si tu avais une lip standard euh, pour aider euh, ton dev applicatif. C'est comme si c'était c la lip du réseau, si tu veux. Parce que derrière, ensuite, tu as ton application qui va servir de cette lip standard. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, la couche 7, tu vas avoir par exemple HTTP, qui est le protocole applicatif. SMTP, SSH, et ces trois protocoles-là, ils veulent avoir un mécanisme de garantie de bonne réception des messages. Ils ne vont pas le reconnaître dans leur coin. Donc, ils utilisent la lib standard, donc ils se servent de TCP. Donc, TCP se fout de quel protocole applicatif, de quelle application on est en train de parler. et donc euh, les applications sont sur la couche 7 les protocoles applicatifs en HTTP comment ça marche l'HTTP bah d'abord j'envoie une requête ensuite j'envoie une réponse la requête elle ressemble à un GET suivi d'un verbe suivi de la ressource et je dis blablabla bla bla. et 200 ça veut dire que tout va bien et 404 ça veut dire que c'est une erreur que j'ai pas trouvé et blablabla bla bla. ça c'est les problématiques du protocole HTTP TCP il en a rien à foutre de ça hein. TCP c'est pour l'application vous voyez ça comme une sorte de lip standard alors, il me reste un dernier truc à parler là-dessus pour complexifier ce schéma. IP possède TCP et UDP au-dessus de la couche 4, mais il possède un autre truc qu'on peut mettre au-dessus de IP qui est un peu bizarre. Il y a un autre petit copain qu'on peut mettre au-dessus qui s'appelle ICMP, mais lui au-dessus de ICMP, il n'y a rien. ICMP... C'est l'Internet Control Message Protocol. Le protocole des messages de contrôle, si vous voulez, c'est le protocole de debug et de diagnostic. Lorsqu'on envoie des messages d'erreur, des messages de debug ou n'importe quoi, on a directement au-dessus de IP ICMP. Et le meilleur exemple de, de truc qu'on peut faire avec ICMP, c'est ping. Ping, c'est fait avec ICMP. Ce qui amène à la question troll habituelle euh, en entretien de recrutement. C'est quoi le port de ping? Euh, ping n'a pas de port. Ping n'a pas de port parce que les ports ça arrive avec TCP et UDP. Ping, ça utilise ICMP, qui est le protocole de debug, qui est directement au-dessus de, de IP et il n'y a rien au-dessus. Parce que c'est pas un message applicatif, c'est un message de contrôle. Donc quand on ping, il n'y a pas de port. Hein les ports, c'est pour TCP et UDP. Voilà, c'est un piège classique, c'est pour ça que j'en parlais. Euh, parfait. Ok. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un exemple. Et j'ai popé mon, euh, mon GNS3. Pour l'instant, vous n'avez pas en, en instancier 1 et tout ça. J'ai juste branché les choses comme ça. Si vous voulez, euh, je vais pouvoir les rebrancher même. Je reprends tout du début. Hein. Rapidement. J'ai ici un host. Et ici, j'ai un host. Et ces hosts existent au sein d'un réseau local. Je vais voir après comment, grâce à un truc qui s'appelle un switch. J'y viens après. Euh, lou. nous vivons dans un monde parfait, nous appartenons au réseau local et tout va bien. Pendant ce temps-là, un autre réseau local. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans ce deuxième réseau local où euh, nous sommes un réseau local, on est branché à un switch. Je reviens après sur ce que c'est que le switch et comment ça marche. Rassurez-vous. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on s'entend bien. Ah là 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 là. Et donc, ici, comment ça marche euh, Ethernet Là, c'est un réseau local en Ethernet, pas Internet, hein, ETH, hein, Ethernet. Euh, et comment ça marche Je peux juste faire show les labels, ETH0, ETH1 et tout ça. Hein. Euh, en gros, ça marche d'une manière très très simple. Je ne vous fais pas pour l'instant tout le cours sur Ethernet. J'en ferai un cours, je parlerai dans, en particulier de ce qui se passe dans Ethernet. Pour l'instant, version super simple. On a des appareils qui s'appellent des switches. Et tous les appareils qui sont branchés au sein d'un switch. Appartiennent au même réseau local. Donc là, par exemple, ces trois machines ici sont branchées sur le même switch, donc appartiennent au réseau local. Et justement, comme il y a plusieurs personnes sur le réseau local, l'équivalent c'est comme le réseau téléphonique. Vous vous rappelez euh, le schéma que j'avais fait au tout 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 début Là Avec un réseau local ici, là Et des appels longue distance bah Là, on a d'autres réseaux locaux. Regardez, des gens qui sont branchés à un appareil central. Et lorsqu'on parle avec une adresse locale, on peut faire des appels locaux. Euh, et ben c'est exactement ce qu'on a ici. Et justement, moi, j'aimerais parler à mon voisin host 2, je lui parle avec son adresse MAC, et ainsi de suite. Et en gros, ce que fait le switch, c'est qu'il regarde l'adresse MAC, parce que si on voit, en gros, le, la couche 2, elle est extrêmement simple. Il hein, n'y a que trois champs euh, MAC de source, MAC de destination. Et au-dessus, c'est de l'IP pour que quand on dépile, on passe la main à la bonne fonction, c'est tout. Mais en gros, les deux grands trucs, hein, c'est Mac de source, Mac de destination. Donc le switch, il regarde la Mac de destination et il balance. Très bien. Super. Et maintenant, je veux interconnecter ces deux réseaux locaux. J'ai besoin d'interconnecter ces deux réseaux locaux. Donc des machines branchées à les switches. Je fais apparaître un troisième type d'appareil. Et ce troisième type d'appareil s'appelle les routeurs. Et le routeur sert de passerelle entre deux réseaux. Et c'est lui qui va s'occuper de trouver le chemin, et c'est lui qui s'occupe de la couche 3. Et en fait, comment ça marche, c'est très très simple. Un routeur, il a le cul entre deux chaises, enfin le cul entre n chaises, parce qu'en fait, il est relié entre plusieurs réseaux, donc il a une patte ici et une patte là oui oui et donc il relie ces deux réseaux mais bien sûr il pourrait être relié à plein d'autres réseaux hein. je pourrais m'imaginer que ici là euh, euh, je suis branché là là pour simplifier j'ai fait des routeurs qui n'avaient que trois pattes mais des routeurs de la vraie vie ça peut avoir plusieurs dizaines de, de pattes hein. euh, et donc du coup ne vous faites pas avoir parce que ces deux appareils ils se ressemblent beaucoup. Hein. Cet appareil, c'est un switch. Le switch, c'est une construction qui est propre à Ethernet. C'est propre à la couche 2 et à ce protocole de couche 2. Tous les réseaux locaux ne fonctionnent pas avec des switches. Moi, bon, il s'avère que c'est un peu le, le, le truc qui a gagné et qu'on voit vraiment partout. Mais théoriquement, il y a des topologies de réseau local euh, qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais. Cet appareil ne résonne pas en termes d'adresse IP, il se contrefout des adresses IP, ce truc-là. Il n'y a pas d'adresse IP sur le switch. Le switch, il sert à faire un réseau local et il résonne pour faire son taf. La seule chose qui l'intéresse, c'est de connecter des gens localement, y compris le routeur. Le routeur appartient au réseau local, la preuve, il est branché au switch. Donc ici, on a un réseau local, mais... Ici, on a un autre réseau local. Et ici, encore un autre réseau local. Donc attention, le switch sert à ramener des gens au sein du même réseau local. Tous les gens branchés sur le switch appartiennent au même réseau local. Par contre, les routeurs, ils servent de frontières et de délimitation entre les réseaux locaux. Et le rôle, vous l'avez compris, du routeur, va être d'inspecter l'IP de destination pour savoir, à chaque fois qu'on est à un routeur, on est à un carrefour, alors où est-ce que je l'envoie, dans quelle direction Bon là c'est simple, il n'y en a que deux, mais imaginez que je suis branché à 100 trucs différents. Ah, je l'envoie à lui. Ça, c'est le but de l'IP. Euh, de alors je regarde juste mon timing. Il y a donc un switch de votre box Ethernet. Euh euh, oui tout à fait euh, Pangolin <laughs> oui, oui en fait tous mes ordinateurs ont les noms de machines et donc cette machine là sur laquelle je vous parle c'est Pangolin euh, router non c'est pas un autre balancer ça n'a rien à voir mais euh, oui il y a un switch dans votre box en fait si vous préférez euh, votre box en fait c'est un combo si on ouvre la boîte enfin, c'est le, le, le même appareil mais conceptuellement c'est un combo d'un switch et d'un routeur côte à côte tout à fait c'est le combo d'un switch et d'un routeur, euh, votre box. C'est le même appareil en vrai, mais conceptuellement c'est ça. Alors, euh, j'avais cours de. C'était de 14h30 à euh, 17h30. J'ai encore, encore combien de temps avec vous euh, J'ai plus que 30 minutes avec vous, c'est ça Ok, j'ai plus que 30 minutes, alors il faut que j'aille très très vite. Euh, Donnez-moi une toute petite seconde. Oh là là, mais comme le temps passe. Je vous avais dit, hein, je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Euh, ok. Euh, vous avez un cours après ou pas Euh, parce que j'ai... Ouais, donc il ne faut pas que je vous... Il euh... ne faut pas que trop que je vous morde. J'essaie de faire ça euh, vraiment chrono, parce qu'il y a un truc que j'aimerais vraiment faire avec vous. Ok. Je vais essayer d'aller très très vite. Du coup, non. Euh... Ouais, il y a la correction d'examen. donc. Euh... Bon, je vais essayer d'aller vite avant ouais, 18h30. Bah, écoutez, si vous voulez, je vous propose le deal, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez et je vous autorise à lâcher avant. Mais il y a un truc très très drôle que j'aimerais faire avec vous. Mais pour pouvoir faire ce truc très très drôle, j'ai peut-être besoin de mordre de 20 minutes. C'est vous qui décidez si je le fais ou pas. Voilà, c'est vous qui décidez si je peux mordre un tout petit peu. Mais parce que, spoiler, il y a un... si je peux faire ça, je peux faire un petit jeu avec vous. Bah super, bah, si j'ai si votre... Ah oh ouais, euh, peut-être pour son âge. Ouais, et, et, et de toute façon, pour les autres, euh, c'est pas grave, vous avez complètement le droit de lâcher à leur pile je vous en veux pas. Vous avez le droit de lâcher, euh, je vous en voudrais pas. Ah bah super. Vous êtes en or, je vous remercie énormément. Du coup, allez, euh, pour, pour traiter les choses que je veux traiter avec vous. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe ici lorsqu'on est euh, connecté en fait, euh, lorsqu'on envoie un message, je vais juste configurer certaines machines, pas toutes. Euh, on a ici des réseaux locaux et lorsque cette machine elle veut envoyer un paquet, de la même manière si on reprend la métaphore du central téléphonique, elle va distinguer est-ce que je suis en train de faire une communication locale auquel cas je m'adresse immédiatement à l'appareil local. Ou bien est-ce que je suis en train de faire une communication distante Et si je suis en train de faire une communication distante, à qui j'envoie le paquet Eh bien, j'envoie le paquet au routeur. Parce que je fais confiance au routeur, le routeur va repropager, vu qu'il sert d'intermédiaire, il va repropager mon paquet. C'est-à-dire qu'une communication distante est une succession de communications locales. Pour que host 1 envoie un paquet à host 3, d'abord host 1 envoie un paquet à son routeur et le routeur rebalance le paquet potentiellement à un autre routeur et à un autre routeur et à un autre routeur jusqu'à arriver à un routeur qui a une patte dans le réseau local du destinataire final. Bon là, il n'y en a qu'un seul, donc on l'a immédiatement. Et il l'envoie au destinataire final. Donc, il y a deux types de communication. Les communications locales, je parle directement à mon voisin. Comment je fais pour parler directement à quelqu'un Je le fais avec mon adresse MAC, avec son adresse MAC. Ma Mac de source, je la connais. La Mac de destination, elle est ici. Je mets la Mac de destination de mon voisin. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce que je peux distinguer... Est-ce que je suis en train de faire une communication locale ou une communication distante Déjà, est-ce que l'adresse MAC peut m'aider à distinguer si mes communication est locale ou distante Absolument pas. L'adresse MAC, elle ne déjà, euh, l'adresse MAC, quand vous parlez d'adresse MAC, c'est le terme générique. On va parler de l'adresse Ethernet. Elle n'a du sens que au sein de Ethernet et au sein d'un protocole de réseau local euh, avec plusieurs personnes dedans. Et donc, de base, l'idée de savoir qu'il y aurait des gens ailleurs, c'est pas le boulot de la couche 2. C'est pas le boulot de la couche 2. De la couche 2, il n'y a qu'un seul réseau local et c'est le, 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 tout l'univers, tout ce truc-là. Donc, non. Le fait de savoir est-ce que je parle localement ou est-ce que je parle en distant, forcément, c'est la couche 3. C'est IP qui va s'en occuper. Donc, je vais regarder mon adresse IP. Et selon mon adresse IP, je sais euh, si j'envoie un paquet localement ou si j'envoie un paquet à mon routeur pour une communication distante. Et de la même manière, les routeurs, lorsqu'ils reçoivent un paquet qu'ils doivent repropager, ils vont inspecter l'IP de destination de la couche 3 pour savoir à quel endroit ils rebalancent. Donc la dernière chose dont j'ai besoin de parler avec vous, c'est. Comment ces adresses IP fonctionnent. Et comment ces adresses IP fonctionnent, euh, rappelez-vous euh, l'équivalent du, euh, du code postal. Eh, hey, c'est pas mon code postal. Sous-entendu, je vais l'envoyer ailleurs. Ce n'est pas mon code postal, ça veut dire que tous mes voisins localement ont le même code postal. Ah bah oui Tous mes voisins ont le même code postal. Donc, ce qui caractérise un réseau local, c'est que tout le monde a le même code postal. Et là, on va arriver sur le secret de la construction des adresses IP. En fait, les adresses IP fonctionnent un peu comme le numéro de téléphone. Parce que le numéro de téléphone, c'est pas juste une série de dix chiffres comme ça, arbitraires. Il y a une Hiérarchie dans les numéros de téléphone. Vous avez par exemple, euh, déjà le premier numéro c'est 0. Avant ce premier numéro il pouvait varier euh, parce qu'il pouvait représenter les différents opérateurs téléphoniques, mais maintenant c'est 0 quel que soit l'opérateur, c'est le numéro universel. Et ensuite le deuxième numéro, le deuxième chiffre, représente votre emplacement sur la France. Euh, 01 c'est l'île de France. 0,2, c'est tout ce qui est en haut à gauche. 0,3, c'est tout ce qui est en haut à droite, Alsace et compagnie et tout ça. 0,4, c'est tout ce qui est en bas à gauche, en bas à gauche, sud-ouest. Et 0,5, c'est tout ce qui est sud-est. Donc par exemple, l'Alsace, c'est du 0,3, la Bretagne, c'est du 0,2. Marseille, je ne sais plus si c'est 0,4 ou 0,5, selon comment c'est placé. De mémoire, c'est 0,4. Mais bref, vous voyez que selon l'endroit, géographiquement, vous êtes. Et c'est quoi l'avantage c'est que du coup, quand votre centrale téléphonique, vous appelez un 04 quelque chose, et elle regarde, et il dit, Vos vous êtes à Paris quand vous appelez, il dit, hé, hey, 04, 01, ou dis donc, ça ne matche pas, je vais rediriger plus haut pour rebalancer ça aux centrales téléphoniques des 04. Donc il y a cette hiérarchie. Et tous les gens au sein du même endroit ont le même préfixe, Ils commencent par le même numéro. Et ensuite, ça se redécoupe. Il s'avère que les quatre chiffres suivants représentent une commune au sein de cette région. Par exemple, moi, j'habite à Villejuif, Ville dans la banlieue 94. Euh, un des identifiants de Villejuif, c'est euh, 4726. Donc, tout ce qui est 014726, c'est euh, à Villejuif. Et donc, en fait, de la même manière, on peut continuer récursivement à redécouper. Si moi je suis à Villejuif et j'appelle quelqu'un 01 47 26 euh, 42 42, j'invente un nombre au pif, eh bien mon central téléphonique, si moi j'appelle depuis Villejuif, il va dire Ah, on a le même préfixe, communication locale. Communication locale. Par contre, si moi j'appelle quelqu'un euh, qui est, euh, je ne sais pas c'est quoi les préfixes de, du Kremlin-Bicêtre. Mais ça doit être 01, c'est pas 014594 un truc comme ça Non, euh, non, c'est hors Ormesson ça, 014594. Euh, bref, je connais pas les numéros, mais bref, voilà, 01 45 94 il va dire, hey, c'est pas moi, donc je dois rediriger à un niveau de hiérarchie plus haut pour rebalancer au centre de tri, et ainsi de suite. Donc vous voyez que les numéros de téléphone ont une hiérarchie, et je sais si je suis local ou non. Selon le fait qu'on ait le même préfixe ou non. Eh bien, en IP, on va faire exactement la même chose. Je vous présente le grand secret des adresses IP. Le grand secret. Attendez, je vais plutôt revenir tout à la fin. Le grand secret des adresses IP. Une adresse IP est codée sur 32 bits. 32 bits qui peuvent être de 0 à 1. Donc, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Généralement, on les représente, on les numérote de manière décimale avec 4 nombres, 4 blocs de 8 qu'on représente de manière décimale. Donc, chaque fois de 0 à 255. Hein. C'est 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. Je fais le crapaud. 8 bits, 8 bits. Ça me fait rire. Je fais des blagues. Ah ah, Humour. Euh, et donc, par exemple, euh, on, a, euh, on, on a des adresses. Eh bien, euh, par exemple. Euh, une adresse de l'épita, 163.5. J'invente un truc, 81.202. J'invente un truc. Pas important. Eh bien, grand secret. Grand secret des adresses IP. Les adresses IP sont toujours coupées en deux bouts. Il y a un bout qui est le préfixe. Et ce préfixe est commun à tous les membres du réseau local. Et forcément, l'autre bout s'appelle le suffixe. Uh -huh. Et le suffixe, si vous voulez, c'est l'identifiant au sein du réseau local. Pourquoi je me sers de ça Ah, c'est une communication locale Bah ok. On le balance à gauche. Enfin, euh, c'est une communication locale, je l'envoie à mon voisin direct. Ah, tu n'as pas le même préfixe L'IP de destination, l'IP que je suis en train de pinger n'a pas le même préfixe que moi. Communication distante, il va falloir que je parle à mon routeur. Eh hey, hey. Communication locale, communication distante. On se fait pas avoir. Tchouk tchouk tchouk. La seule question qui est tricky en IP, c'est que le préfixe est de taille variable. Dans les numéros de téléphone, c'est toujours au même endroit. Les deux, le premier chiffre représente la région, ensuite j'ai quatre chiffres qui représentent la commune au sein de la région, et blablabla, bla bla, et blablabla, bla, et blablabla, bla, et bla, bla. Ici, le préfixe est de taille variable. On ne peut pas inspecter juste une adresse IP et savoir quel est son préfixe. Parce que selon les réseaux locaux, ils n'ont pas le même préfixe. Parce que, comme on n'a que 32 bits, ça se tire à la bourre. Si mon préfixe est très grand, je peux faire plein de préfixes, mais il n'y a pas de, beaucoup de machines au sein du suffixe. Si, par exemple, je disais que la limitation était ici, par exemple, pour cet exemple-là, et donc, ici j'ai 8, 8, 8, 8, 16, 24, et donc je disais. Les 24 premiers bits appartiennent au préfixe, les 8 bits restants appartiennent au suffixe. Bien, forcément, combien je peux faire de préfixes bah, J'ai 24 bits pour construire des préfixes, je peux faire 2 puissance 24 préfixes. Par contre, au sein de chaque préfixe, combien peut y avoir de machines Il ne bah, peut y en avoir que 2 puissance 8 égale 256. Et donc, il y a cette tension en permanence. Vous voyez Si à l'inverse, je disais arbitrairement, bah, pour ce cas-là, euh, le préfixe, il était là. La limite entre préfixe et suffixe était là, à 16. Je peux avoir, donc, euh, pour vous donner des ordres de grandeur, 2 puissance 6, c'était 256. Euh, 2 puissance euh, 24, euh, c'était 16 millions. Et 2 puissance 16, ici, c'est 65 000. Donc là, si je mets ma limitation ici, je peux faire que 65 000 réseaux locaux. Mais chaque réseau local peut avoir 65 000 machines. Donc vous voyez que selon les besoins, on ne coupe pas de la même manière. Il fut un temps, il y a longtemps, où il y avait un truc qui s'appelait les classes d'adresse, qui permettait automatiquement, selon la construction de l'adresse et les premiers bits, les trois premiers bits, on pouvait les regarder pour deviner quelle était la taille du préfixe. C'est mort, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, on ne peut pas euh, savoir quelle est la taille d'un préfixe. Euh, et en fait, on a besoin, quand on configure une machine, et qu'on lui dit, ça c'est ton adresse IP, on a besoin de lui dire en plus, et ça c'est la taille de ton préfixe. On a besoin de lui dire quelle est la taille du préfixe. Parce que sinon, il ne pourra pas savoir. Et on a besoin de passer ce qu'on appelle vous vu, le fameux masque de sous-réseau. Vous l'avez vu, le masque de sous-réseau. C'est une succession sur 32 bits de 1-1-1-1-1-1. Et d'un seul coup, on passe à 0. Et en fait, tant qu'on est dans le préfixe, on n'a que des 1 et on passe à 0 au moment où on passe sur, des, euh, sur, sur le suffixe. Ou également, vous verrez la notation, ce qu'on appelle la notation SIDER. Donc par exemple, ici, je pourrais avoir l'adresse, je reprends l'adresse, euh, 163.5.82.22, et la notation, on fait slash 22. C'est ce qu'on appelle la notation SIDER pour classless Internet Domain euh, Routing, j'en parlerai plus tard, classless Internet Domain Routing, slash 22, quand je configure l'adresse IP, je suis en train de lui dire, attention, toi tu es cette adresse IP, Attends, je vais plutôt simplifier, faire slash 24 pour l'instant, slash 24, je suis en train de dire, les 24 premiers bits, 1 bit, 8, 16, 24, la limitation elle est là, les 24 premiers bits sont communs à tous tes, euh, tous tes voisins. Tous les membres du réseau local commencent par 163.5.82 et 22, c'est ton petit nom au sein de la machine. Donc ça n'a pas de sens, les adresses IP sont toujours découpées comme ça. Quand vous pinguez une machine distante, vous n'avez pas besoin de connaître son masque, mais quand vous configurez une adresse IP sur votre machine, vous êtes obligé de préciser quelle est la taille de son préfixe. Il en a besoin pour savoir est-ce que je suis en train de faire une communication locale ou est-ce que je suis en train de faire une communication distante. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, si je reprends euh, pardon, ce schéma-là, je pourrais dire Eh, hey, attends, je te mets en euh, background. Tous les gens qui sont ici forment un réseau local. Euh, tous les gens, toi pareil, je te. qui sont ici forment un autre réseau local. Et nous allons imposer la règle euh, suivante. Euh, toutes les machines ici commencent par euh, 203.0.113 euh, 24. Donc par exemple, toi, tu vas t'appeler euh, 203.0.113.2. Toi, tu vas t'appeler 203.0.113.3. Toi, tu vas t'appeler, et le routeur forcément, tu vas t'appeler.1. Et donc, du coup, à l'inverse, ici, par exemple, on va dire arbitrairement, euh, toi, euh, toutes les machines ici commencent par 198.0.51.0 euh, euh, 24. Les 24 premiers bits appartiennent, sont communs au préfixe. Et donc, toi, par exemple, tu es 0. .2, mais ça veut dire 198.0.51.2. Et toi, tu vas avoir, attention, point 1, regardez, le routeur, il appartient à plusieurs réseaux, et donc il a plusieurs adresses IP. Et on verra en particulier, ce n'est pas tant les machines qui ont des adresses IP, que c'est les interfaces réseaux qui ont des adresses IP. Parce que sur ETH0, il est connu comme étant 203.0.113.1. Et sur ETH1, dans ce réseau, les gens l'appellent ⁇ Ah, ce bon vieux 198.0.51.1 !⁇ Bien sûr, ils ne savent pas qu'en fait, euh, ce routeur a un double visage et qu'il mène une vie secrète dans une autre ville avec une autre femme et d'autres gosses et un autre boulot. Euh, parce qu'en fait, c'est un menteur compulsif qui possède deux visages. Donc c'est-à-dire que, eux, ces machines-là, lorsqu'elles veulent parler euh, à quelqu'un, elles regardent l'IP de destination. Et elles disent ⁇ Ah tu veux contacter euh, 203.0.113.3 Attends, je regarde. Dum-dum-dum-dum-dum. Eh C'est le même préfixe que moi. C'est le même préfixe que moi. Yes, youpi. Communication locale, j'envoie un paquet à lui. Et le switch, il a vu Ah, telle adresse Mac tu as demandé. Très bien, j'envoie le paquet à lui. Et donc le chemin qui est fait, c'est tchouk-tchouk. À l'inverse je veux pinger 198.0.51.2. Ah, attends, je regarde. Eh, hey wopopop. C'est pas la même chose que. C'est pas le même préfixe que moi. C'est pas le même préfixe que moi. C'est une communication distante. Et donc, la machine a été configurée pour. Et un truc que vous aurez à faire lors du premier projet, ce sera configurer la machine pour lui dire ça. Ah, donc du coup, je dois contacter mon routeur. Et l'IP de mon routeur, c'est quoi? C'est là. Donc je vais envoyer un message. Attention, avec comme IP de destination 198.0.51.2, mais comme adresse MAC, le routeur, j'envoie le message au routeur, et le routeur lui-même y repropage. Vous voyez le petit jeu. Donc ça, regardez, le piège, ce qui est très 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 bizarre. Ce qui est très 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 bizarre, et c'est le point qui est touché. Je refais le schéma ici. Donc j'ai euh, la machine ici qui est connectée au switch ici, qui est connectée au routeur ici, qui est connectée au switch ici et qui est connectée à la machine qui est là. Regardez ce qui se passe parce que c'est très très fourbe. J'ai dit que ici c'était le réseau euh, 203.0.113 slash 24 et lui je vais le faire en bleu tout ça c'est euh, 198.0.51 slash 24 et donc. Lui, il a comme adresse IP euh, 203.013.2. Lui, il a comme adresse IP 203.013.1. C'est jamais qu'une convention hein, de nommer les routeurs .1. Hein. On peut les nommer comme on veut. Hein. Et euh, il a également comme adresse IP euh, 148.051.1. Lui, 2. Et également, pour compléter le schéma, toutes les machines ont des adresses adres MAC, parce que c'est de l'Ethernet. Et, et donc, comme adresse MAC, je vais les numéroter comme ça. Toi, tu as l'adresse MAC A. Toi, tu l'adresse MAC. Alors, sur chaque interface réseau, il y a une adresse MAC. L'adresse MAC B, l'adresse MAC C et l'adresse MAC D. Regardez ce qui se passe. Euh, si je devais euh, complexer, si d'abord je faisais un schéma simple, je faisais une communication locale avec monsieur point .3. Qu'est-ce qui se passe quand, et que lui, il a comme adresse MAC euh, E Lorsque je veux envoyer un message, si A veut envoyer un message à E, à quoi ressemblent les trames qu'il envoie Je vous rappelle qu'il remplit les, les, les enveloppes, et hein, remplit les metadata des enveloppes. Et il va mettre, donc communication locale, il va mettre Mac source A, Mac dest E, IP source. Je le marque 203, blablabla, 2, vous avez compris, hein. IP, dest, 203, blablabla, 3. Et donc, il envoie ce paquet, et ensuite, ensuite il y a ses messages à lui, hein. il envoie ce paquet ici. Le switch, il ne regarde pas ce qui se passe au niveau IP, mais il regarde les adresses MAC. Et il dit, ah, MAC de destination E, donc il envoie le message ici. Ça, c'est une communication locale. Maintenant, ce qui est fourbe, et si vous, si vous comprenez la chose que je vous fais, si vous comprenez la chose que je vais vous faire, vous avez compris l'essentiel de ce que je veux vous montrer. Attention. Communication distante. Je vous rappelle que une communication distante est une succession de communications locales. Eh bien, d'abord, je vais avoir... Regardez. MS pour Mac source. Hein. MS Mac source. Je pour aller plus vite. Ah. Mais vu que c'est une communication distante, je voulais pinguer lui. Je voulais pinguer lui. L'adresse MAC, ça va être l'adresse MAC de B. MDest, B. L'IP source. Ça va être 203.2. Enfin, point blablabla.2. Et là, attention, énorme piège. Faites très, 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 attention. L'IP de destination. Je mets L ou je mets L Si je mets L, j'ai rien ajouté comme valeur ajoutée de la couche 3 par rapport à la couche 4. Les, moi, le but de IP, je vous rappelle, c'est ce tapis universel d'interconnexion indépendamment des communications locales. Donc là, je vais mettre directement comme adresse IP ma destination finale. Parce que sinon, le routeur il va croire que je m'adresse à lui. Et non, c'est parce que le routeur va recevoir un message dont l'IP de destination n'est pas lui qui comprend qu'il doit repropager. Donc, mon IP de destination, ici, c'est 198 bla bla, 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 bla 2. Et donc, quand le switch revoit ça, il balance le message d'après les adresses MAC ici. Le routeur inspecte sa table de routage parce que peut-être qu'il avait plein d'autres réseaux locaux et il dit Ah, 198.0, ça, ça appartient à ça, je le connais. C'est sur cette patte-là. Parce que je rappelle que son but, c'est d'inspecter les IP destination pour trouver les bons chemins. On reviendra dans le prochain cours comment on fait pour faire ça. Mais donc, il rebalance un paquet. Donc il y a un deuxième paquet qui est envoyé. Et cette fois-ci, la Mac de source, c'est quoi C'est là. C'est C. La MAC de destination, c'est D. Mais l'IP source, l'IP source et l'IP de destination. Ce sont les mêmes que ici. Elles n'ont pas bougé. Donc, lorsqu'on fait une communication distante, une communication distante est une succession de communications locales. Une communication distante est une succession de communications locales, mais à chaque communication locale, je n'oublie pas quel est mon destinataire final et quelle est ma source originelle via les adresses IP. Donc, la couche 3, la couche 4 et les machins, elles ne changent pas. Mais bien sûr, comme on va de réseau local en réseau local et que la couche 2 est propre au réseau local, à chaque saut de routeur en routeur, on change le contenu de la couche 2. La couche 3 ne va pas changer. Pendant tout le chemin, l'IP destination, ce sera ça. Et l'IP de source, ça sera ça. Mais de communication locale en communication locale, ce sera ça en MAC source, ensuite ça en MAC destination. Et si ça se trouve, à un moment, même que intermédiairement, je passerai par un réseau local qui n'est pas de l'Ethernet et qui ne résonne même pas en termes d'adresse MAC. Si ça se trouve. Hein? Peut-être que vous passez par votre modem et que lui, il fait l'ADSL et c'est pas de l'Ethernet et il n'y a pas d'adresse MAC. Hein? Et euh, mais ce qui est en IP ne bouge pas. Mais on va de réseau local en réseau local. Si vous avez compris ce jeu-là, vous avez compris le plus dur. Alors, euh, c'est normal si vous galérez un peu. Je regarde rapidement vos questions. Ah, bah les zones géographiques, exactement, parfait. On voit que le 04, il mange un peu ce qui se passe ici. Hein. Ah merde, 04, c'est à droite. Ah, je crois que c'était. Euh... Merde, je me suis fait avoir. Alors jusqu'à 20h, on va éviter. Hein, ouais. euh... Premier, second chiffre. Alors 06, c'est les numéros mobiles. Hein. 06, c'est les numéros mobiles. Et 09, c'est la VOIP. C'est tout ce qui est euh, téléphonie via Internet. Euh... Trois visages, ouais, j'ai oublié le switch. Le routeur, c'est pas toujours le point. C'est jamais qu'une convention. Vous verrez deux autres euh, des conventions également. On prend euh, le numéro le plus haut. Euh, par exemple, euh, au cri, on les nomme point 254. Euh, le 0, alors c'est pas l'adresse de loopback, je vais en parler après. Les adresses spéciales que j'ai bien compris, tous les donateurs sont des Mac à la base parce qu'ils ont une adresse Mac. Les PC n'existent pas, c'est un complot. What the fuck, euh, loopback, c'est encore autre chose. Euh, les adresses Mac, c'est pour que le switch sache quoi faire. Les adresses IP, c'est pour le routeur, exactement. Et chemin retour, Mac source, c'est l'adresse du routeur. Euh, pas trop compris la communication distante au retour, alors je vais t'expliquer ça. Alors comment savoir vers quel routeur je dois aller pour me rapprocher de la destination C'est ça qui est super intéressant. Commutation par paquet, on ne connaît pas le chemin à l'avance. On va sauter de routeur en routeur et tout ce qu'on sait, c'est que chaque nouveau routeur nous rapproche un peu plus. Mais on ne sait pas à l'avance quel est le chemin complet qui va être pris. Si on connaissait le chemin à l'avance, si on établissait un chemin à l'avance, on serait en train de faire de la commutation par circuit. Et rappelez-vous, tout début du cours, on fait de la commutation par paquet. Alors pour revenir sur le chemin au retour, c'est pour ça qu'on envoie, euh, qu envoie la source. Parce qu'au retour, on inverse euh, IP source et IP destination. Et comme je vais inverser IP source et IP destination, l'IP de destination devient 203.013.2. Et lui-même, il va reprendre du début et dire Alors, est-ce que c'est une communication locale, est-ce que c'est une communication distante Ah, c'est une communication distante, c'est pas le même préfixe que moi. Donc, je dois remplir avec mon Mac source à moi, la Mac de destination, ça va être la Mac de mon routeur, et lui-même va repropager comme ça. Et donc, au retour, source devient destination, et inversement. Donc, sur le chemin retour, on aura une communication avec Mac source D, euh, Mac destination D, IP source, euh, 198, blablabla.2, 203, blablabla.2, suivi de, parce que la communication distante est une succession de communications locales, suivi d'un paquet ici, avec Mac source B, Mac source, Mac destination A, mais IP source 192.2, 192 IP destination 203.2. Alors, il me reste deux choses à voir et ensuite on peut s'amuser, mais que je boucle en deux petites secondes. La première chose, c'est que parmi ce nombre d'adresses disponibles, vous j'avais dit ici par exemple, le calcul d'une manière générale pour calculer. Hein, si en dessous j'ai 32 bits, si mon préfixe est un « slash 24 », le nombre de machines possibles, c'est 2 puissance 32 moins 24. Vous êtes d'accord bah, Si j'ai un slash 24, il me reste 8 bits, donc j'ai 2 puissance 8. Donc de manière générale, un slash n, le nombre de machines, c'est 2 puissance n. Presque. Parce qu'on va voir qu'il y a deux adresses qui sont réservées. Donc moins 2. Il y a deux adresses qui sont réservées. Donc on peut avoir plein de suffixes différents. Je reviens ici. Donc par exemple 163.5.82.anyaanyaanya, je peux faire 256 nombres différents parce que ici j'ai 8 bits, 2 puissance 8 égale 256. Hein, j'ai 8 éléments qui peuvent varier de deux manières différentes égale 2 puissance 8, hein, tout simplement. Mais il y a deux adresses, deux suffixes qui sont réservés. Le suffixe que j'appelle le all zeros. Le suffixe où il n'y a que des zéros, donc 163.5.82.0, il est réservé et il représente le réseau dans son ensemble. C'est pas grave si vous ne comprenez pas trop ce qu'il fait, comprenez que pour des raisons historiques bêtes et méchantes, réservé, on n'a pas le droit de le prendre. Et qui représente le réseau dans son ensemble est le all ones, celui où il n'y a que des 1. Donc j'ai pas non plus le droit de prendre euh, 163.5.82.255. Et en fait, parce que lui, il représente l'adresse de broadcast. Et en fait, quand on envoie un message sur 250, enfin, quand on envoie un message avec le suffixe avec que des 1, ça correspond à envoyer un message à toutes les machines au sein de ce réseau local. C'est le broadcast. Mais ces deux-là sont réservés. Et ensuite, il y a euh, une machine classique, quoi, une machine comme une autre. Donc, il y a trois types de suffixes, deux suffixes magiques qui sont réservés et euh, une machine normale. Ça veut dire que mon slash 24. J'ai combien de machines possibles à l'intérieur J'en ai 2 puissance 8, moins 2. Donc j'ai pas 256 machines possibles, j'en ai 254. Et faites gaffe, faites très très gaffe, parce que là j'ai fait des calculs simples, parce qu'à chaque fois, mes slash étaient des multiples de 8. Ce n'est pas toujours le cas. Les multiples de 8, c'est une notation pour les êtres humains. Le fait d'avoir des points comme ça. Pour l'ordinateur, c'est 32 bits qui suivent comme ça. Et lui, on peut, il accepte tout à fait que la séparation soit par exemple sur un slash euh, 25. Sur un slash 25, il n'y a plus que 7 bits possibles. Et donc, oui, ça coupe ici à l'intérieur. Mais ici, donc, euh, il y a donc 2 puissance 7 moins 2. Bah 2 puissance 7, c'est juste deux fois moins que 2 puissance 8. Si 2 puissance 8, c'était 256, 2 puissance 7, c'est 128, moins 2, 126. Donc dans un slash 25, j'ai que 126 machines. A l'inverse, dans un slash 23, j'ai deux fois plus de machines que dans un slash 24. Et donc c'est un 512, enfin un 510 parce que 512, moins 2. Ça vous va là-dessus Slash 24, c'est 24 bits. Slash 24, c'est le nombre de bits sur lequel est codé le préfixe le nombre de bits qui sont réservés pour le préfixe. Euh, voilà, tout à fait, super bien expliqué. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Et la dernière chose, et je termine sur ça avant le petit jeu, c'est que, il y a un truc qui est très bizarre, c'est que lorsque moi j'ai pingé, euh, j'ai pingé la machine ici, moi je connais mon adresse MAC. Je connais mon adresse IP, je suis configuré avec. Je connais l'adresse IP de destination, j'ai fait ping cette adresse IP. Par contre, je ne connais pas l'adresse MAC. Je ne connais pas l'adresse MAC de mon destinataire. Ma machine n'est pas configurée avec l'adresse MAC de tous mes voisins. Alors on pourrait dire ouais, mais lui c'est le routeur, on pourrait explicitement dire que B, tu le connais. Ouais, et si je fais une communication locale, moi je ne connais pas les adresses MAC de mes voisins. Je peux avoir leur adresse IP parce que c'est ce que l'utilisateur a tapé, mais quand un utilisateur il va sur un navigateur web ou qui fait un ping, il pingue pas une adresse MAC, il pingue une adresse IP. On a besoin de retrouver l'adresse IP à partir de l'adresse MAC et la manière dont on le fait, c'est une horreur. C'est de la merde et je termine sur ça. C'est de la merde, 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 c'est de la chiotte. Je parle juste très rapidement, je veux juste que ça rentre dans vos têtes que c'est de la chiotte, le protocole ARP, le Address Resolution Protocol. Il permet de retrouver l'adresse Mac à partir de l'adresse IP et comment il fait, c'est débile. Donc, on fait de ARP. Il gueule sur le réseau local et il fait eh « Eh C'est qui qui a telle adresse IP ?» enfin, C'est qui qui a telle adresse Mac Réponds-moi » réponds, réponds C'est de la merde. Regardez, je, sais, je suis sûr que j'ai de l'ARP qui tourne là-dessus. C'est de la merde. C'est débile. Ah, je dois l'avoir dans mon cache ARP, bordel. Euh, je sais pas comment on flush le cache ARP. Ah oui, non, mais j'avais arrêté les, les captures. Euh, ça va apparaître petit à petit. Attendez, je coupe et je relance. Ouais. Euh, ça va apparaître petit à petit les captures ARP. Euh, comment je fais pour flusher le cache d'un Windows, je ne sais pas. Bon, Ça va apparaître à un moment. Euh, mais si à un moment, moi, j'essayais de pinger, euh, moi, par exemple, euh, je sais que mon adresse IP, c'est... 512.168.1.1, euh, .1, par exemple, c'est euh, ma lifebox. Tous les coups. Non, c'est pas vrai, je l'avais en cache. Euh, bon, une machine qui n'existe pas, pour un .51. Bon, il n'a pas réussi à la pinguer parce qu'il n'y a personne là-bas. Voilà. Hé, hey, c'est qui qui a telle adresse IP Réponds-moi. Et euh, réponds-moi, et moi, je suis .38. Et en fait, quand il va répondre, l'autre, il va lui répondre. Euh, bon là, elle n'existe pas, cette machine, donc il ne va pas le trouver, mais il va lui répondre avec euh, l'adresse euh, MAC. Et donc c'est un broadcast, c'est débile en termes de sécurité, parce qu'en termes de sécurité, il suffit de guetter le moment où, euh, où vous dites, Eh hey, c'est quoi l'adresse MAC du routeur C'est qui l'adresse MAC du routeur demande ton l'adresse MAC. Vous dites, oui, oui, c'est moi. Et comme ça, vous interceptez toutes les communications. Donc c'est de la merde. Voilà, c'était le dernier point que je voulais passer. Alors j'étais un peu rapide à la fin. Euh, comment vous vous sentez est-ce qu'il existe un meilleur moyen que RP pour faire son travail En IPv4, non. C'est de la merde. La manière dont on retrouve l'adresse la, la, MAC à partir de l'adresse IP, euh, si on veut faire un truc mieux, on attend IPv6. En IPv6, on peut. En IPv4, on peut pas. C'est de la merde. Et alors, il y aura une rediff Oui, bien sûr. Le cours est en train d'être enregistré. Et je balancerai la rediff sur le Moodle. Euh, C'est pour ça que je me permets d'aller un peu vite, parce que je sais qu'il y a la rediff. Et je vous balancerai les chapitres qui vont bien. Mais du coup, ce que je vous propose. Ce que je vous propose, si vous le souhaitez bien sûr, c'est non mais je veux pas. Attendez, excusez-moi. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions un caoutchouc. Jusqu'à dire ce que je vous propose. Ah, ouais, ça va, il y a déjà la musique en plus. Vous avez vu sa chance de la musique d'habitude Ils ont la version de Noël. Est-ce qu'ils ont la version de l'autre Oh putain, pas Il y a la batterie qui arrive. Ouais, le son est beaucoup trop fort. Ouais, ça devrait mieux se passer. rejoindre je vois personne pour l'instant mesdames et messieurs voici votre numéro à vos ordinateurs il est vraiment super fort C'est pour ça que je voulais un tout petit peu mordre, parce que je me suis dit quand même marqué ici l'adresse, hein. libanese Burst, yes. Giorno Giovanna. Kono Oui, je parle japonais. 46, je donne encore une minute et après. Euh... En vrai, elle est pas si dégueulasse. Hein J'aime bien le petit, euh, le petit beat. Bon, la basse, elle est à chier par contre. hein. Elle est vraiment à chier la basse par contre. Et non, je joue pas à la chouquette parce que je peux pas vous offrir les chouquettes malheureusement. Allez, 52, je lance. Dans 20 secondes, dans 10 secondes, vous pourrez rejoindre en cours de route au pire. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Première question. Le rôle de la couche 2, des protocoles de couche 2, c'est connecter deux réseaux locaux différents ensemble, établir une connexion entre deux machines distantes établir un réseau local ou distinguer différents services qui écoutent sur la même machine. Attendez, je vais juste bouger. Ah non, pas toi, pas toi. Je bouge ici. Bleh. Le rôle de la couche 2 c'est d'établir un réseau local. Rien de plus. Et j'attends la prochaine question pour donner la réponse par rapport à ça, aux autres. Mais du coup, ça, c'est le rôle de la couche 2. La couche 2, elle sert à établir un réseau local. Rappelez-vous, ce qui existe sur la couche 2, c'est les trucs genre Ethernet, Wi-Fi et ce genre de choses. Un réseau local, local area network. Qu'est-ce que ça nous donne IPv6 sur côté. Oh, il y a des coups qui se perdent. Oh, il y a des coups qui se perdent. Allez, du coup, deuxième question. Forcément. Le rôle de la couche 3, les mêmes. Connecter deux réseaux locaux différents. Établir une connexion reliable entre deux machines distantes. Établir un réseau local. Distinguer différents services qui écoutent sur la même machine. Ils ont remis la musique classique. Ah vous avez un délai les gens Ah bah. Le rôle. Euh, si vous avez un délai, essayez juste de, de, de rafraîchir la page. Et normalement, normalement, j'ai quasiment pas de délai avec Twitch. C'est un truc qui doit être un peu bizarre. Hein. Je me suis fait chier de passer affilié de Twitch euh, justement pour pas avoir de délai. Donc normalement, vous êtes censé avoir un, un délai très court. Mais oui, le rôle de la couche 3, c'est l'interconnexion de différents réseaux locaux. Euh, du coup, ne vous faites pas avoir. Établir une connexion reliable entre des machines distantes, les accusés de réception, les machins, les trucs de ce genre-là, c'est des problématiques de la couche 4. Et distinguer les différents services qui écoutent sur la machine, c'est également de la couche 4. Tout ça, c'est les host level end-to-end. -end. Hein, ça concerne les appareils distants. Le but de la couche 3, c'est l'interconnexion des différents réseaux locaux et trouver son chemin dans le labyrinthe des, différents réseaux, des différentes interconnexions. Et ça, c'était la couche 2. Ne pas se faire avoir. Alors, si franchement c'est IPv6 surcoté qui gagne, euh, je, je, c'est une honte. Je demande à ce que cette personne se fasse ramasser la gueule. Attention, prochaine question. Le modèle TCP/IP, il est standardisé par l'ISO, l'I3E802, l'IETF ou l'I3E754. Yes, bien vu. Le modèle TCPIP est standardisé par l'IETF, l'Internet Engineering Task Force. L'ISO, c'est eux qui avaient standardisé OSI, on s'en fout. L'I3E802, c'est ceux qui standardisent ce qui se couche, ce qui se trouve à la couche 2. Donc pas TCPIP. IETF et I3E802 sont des partenaires, un peu comme dans les Buddy Cup Movie, qui s'aiment pas trop mais qui travaillent quand même ensemble. Parce que l'IETF s'occupe de tout ce qui est TCP/IP et l'I3E802 s'occupe de tout ce qui est en bas. L'I3E754, c'est la standardisation des nombres à virgule. Rien à voir. C'est comment on représente de manière binaire des nombres à virgule. Rien à voir. Donc attention, Ethernet par exemple ou Wi-Fi, c'est standardisé par l'I3E802, hein, 802.3, 802.11, ce que vous voulez. Mais TCP/IP, c'est standardisé par l'IETF. Pas se faire avoir. J'ai cru, je t'ai vu descendre, mais pour l'instant, c'est Danny qui est en tête. Attention, on continue. Vrai ou faux Sur un réseau local donné, les préfixes doivent être différents pour chaque machine. Sur un réseau local, les préfixes doivent être différents pour chaque machine. Eh oui, bien sûr, ils doivent être différents. Ils doivent être, surtout pas. C'est complètement faux. Ils doivent bien être les mêmes. Si, si jamais ce n'était pas les mêmes, comment je pourrais distinguer une communication locale d'une communication distante J'aurais bien l'air d'un schtroumpf. C'est parce que tous mes voisins ont le même préfixe que je peux distinguer ça. Il y a deux manières de se merder de la configuration des adresses IP. La première manière, c'est d'avoir deux machines qui sont sur le même réseau local, mais vous ne leur mettez pas le même préfixe. Et du coup, ils passent par le hauteur alors qu'il ne faut pas passer par le hauteur. La deuxième manière de se merder, c'est vous mettez le même préfixe à deux machines alors qu'elles ne sont pas sur le même réseau local. Toutes les machines au sein du même réseau local ont le même préfixe. Ça bouge pas trop, ça bouge pas trop, ça se stabilise. Attention. Prochaine question. C'est quoi le protocole qui permet de trouver l'adresse MAC étant donné son adresse IP ICMP, ARP, NDP, DHCP. Yes, tout à fait, ARP, le Address Resolution Protocol, cette grosse daube qui est un truc en termes de sécurité absolument infect. Mais tant qu'on est en IPv4, on n'a pas le choix. ICMP, c'est l'Internet Control Message Protocol, euh, c'est les protocoles de message de debug. C'est pas. NDP, le Neighbor Discovery Protocol, c'est le successeur et l'équivalent de ARP en IPv6. Euh, mais comme on est en IPv4, pour l'instant, c'est que ARP. Et DHCP, le Dynamic Host Configuration Protocol, ça n'a rien à voir. C'est un protocole qui permet d'auto-configurer les machines sans qu'on ait à les configurer manuellement. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un protocole applicatif. Donc la réponse était ARP. On fire On fire, jeu de la chouquette On fire Attention, prochaine question. 198.19.0.0.15, c'est le suffixe où il n'y a que des zéros, le suffixe où il n'y a que des 1 ou une adresse, tout ce qui est plus normal au sein du, au sein du réseau. Ah, ah, ah Je vous ai eu! C'était un piège! C'était un piège! Ah, ah, ah Vous n'aurez jamais mes chouquettes! Ah, ah, ah C'était un piège! Pourquoi est-ce que c'est pas celui où il n'y a que des zéros? Quelle fourberie! Quelle sorcerie! Pourtant, il n'y a bien que des zéros. Mais oui, mais ce serait le cas si jamais c'était un slash 16. Mais c'est pas un slash 16, c'est un slash 15. Ça veut dire que le dernier bit qui est ici, là, il appartient également au suffixe. Regardez, si je prends un terminal ici, là, est-ce que j'ai un terminal euh, là sur un shell? J'ai IPCalc Non. Ipcalc, notre meilleur ami, qui est un outil que je vous présente pour, euh, pour calculer des, des adresses. Attendez, je, je rebouge ma. Euh, voilà, je me mets ici là. Euh, J'avais mis quoi comme adresse? J'avais mis euh, 198-19. Regardez-moi arnaque. Ouais, l'espace il est là. Et 19, comme c'est un nombre impair, ce bit-là, il est à 1. Donc, ça, c'est l'adresse où il n'y a que des zéros. Et donc, ça, cette adresse, elle est pile poil au milieu. Vous pouvez voir un slash 15 comme deux slash 16 côte à côte, collés bout à bout, le slash 16 des dix 18 et le slash 16 des 1998-19. C'était un piège. Et si vous vous êtes fait avoir, c'est normal. N'ayez pas honte. C'était un piège. Je l'avais prévu. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Bam Il y a tout le monde qui tombe ah, Tiens Et Il y a encore des gens qui survivent malgré tout. <laughs> Ça doit être en train de rager sur le chat. <laughs> quelle horreur, quel piège, quelle méchanceté. Allez, prochaine question. Combien de machines je peux adresser dans un slash 22 4096, 512, 4094, 1022. Un peu de maths. Ah. Bon, déjà, déjà, dans l'ensemble, bien joué. Vous n'êtes pas trop fait avoir dans l'ensemble, bon, quelques personnes se sont trompées, là-dessus. Ça ne peut certainement pas être ni 4096, ni 512. Pourquoi Parce que c'est des puissances de 2 exactes. Et rappelez-vous, on a deux adresses qui sont réservées. Donc, le nombre de machines, c'est toujours deux puissances quelque chose, moins 2. Donc, les seuls candidats viables étaient effectivement soit lui, soit lui. Alors, comment on fait pour calculer ça de manière très, très simple Moi, ce que je vous conseille de faire... C'est partez d'un slash 24, partez des multiples de 8 que vous connaissez par cœur. Sinon, parce que peut-être vous avez du mal à dire, effectivement, c'était 32 moins 22 égale 10, 2 puissance 10 égale 1024. Peut-être que pour vous, 2 puissance 10 égale 1024, vous n'avez pas l'habitude. Alors la technique, elle est très simple. Si vous partez d'un slash 24, slash 24, je fais les moins 2 après, c'est 256. Si je fais un slash 23, il y a un bit de plus dans le suffixe. Donc j'ai deux fois plus de valeur. J'ai gagné un bit de plus. Donc je double, je passe de 256 à 512. Si je repasse à 22, je regagne encore un bit. Donc je deux fois encore plus, je redouble mon 512 qui devient 1024. Dans un slash 22, il y a quatre fois plus que dans un slash 24. Donc, c'était de puissance, c'était 1022. Alors, oula, pourquoi il merde à chaque fois ce bouton ah, ah non, j'ai cru qu'on qu avait perdu le jeu de la chouquette. Bah pour l'instant, c'est ASM qui gagne bien. Alors, on continue, on touche à la fin. Plus que trois questions, attention. C'est quoi le field que le routeur regarde Quelle route je vais prendre Je regarde l'IP de source, l'IP de destination la Mac de destination ou le port de destination. C'est quoi le fil qui décide quelle route va être prise Bien joué Bien joué Dans l'ensemble, effectivement, Trouver son chemin, quelle route je vais prendre, c'est clairement quel chemin je dois prendre égal couche 3. IP de destination. Pas l'IP de source, hein, ça va pas m'aider, c'est pour le chemin à retour. On peut faire des trucs en faisant ce qu'on appelle du policy routing pour router à partir de la source, hors scope, complètement avancé. L'IP de destination. c'est pas la MAC de destination parce que elle n'est valide que localement. Et donc dans chacun des sauts, ce serait une adresse MAC différente. Et même si ça se trouve, j'insiste, vous pourrez tomber sur le chemin sur des réseaux locaux où il n'y a pas de notion de MAC parce que c'est pas de l'Ethernet. Si ça se trouve, je sais pas ce qui se passe, si vous vous connectez, si ça se trouve votre box lorsqu'elle se connecte à, à votre fournisseur d'accès Internet pour ensuite communiquer là-dedans, c'est pas de l'Ethernet et il n'y a pas d'adresse MAC. Si ça se trouve, c'est pas comme ça. Et c'est certainement pas le port de destination parce que le port de destination c'est que le destinataire final qui, qui va regarder ça. Le routeur il s'en bat les couilles de ça, c'est pas son problème. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe à la couche 3. C'est pour ça qu'on a séparé en deux. Waouh Rien qui bouge. Ah, le retour d'IPv6. Attention, avant-dernière question. Vrai ou faux Quand j'ajoute une route distante, je donne l'adresse d'un routeur qui vit en dehors de mon réseau. Réfléchissez un peu. Quand j'ajoute une route distante, le routeur par lequel je veux passer, je passe l'adresse du routeur qui vit en dehors de mon réseau. Juste à réfléchir logiquement. Ah, le 50-50. Le 50-50. Réfléchissez. Si nous revenons euh, là-dessus, rappelez-vous quand je parlais de ce voleur, de ce voleur qui avait deux vies. Il a deux adresses IP, ce routeur-là. Moi, quand je veux sortir, je veux passer par lui. Pour parler à distance, je dois parler à un intermédiaire. Mais si cet intermédiaire est distant, vous avez un problème de poulet d'œuf. Si pour parler à quelqu'un de distant, je dois contacter quelqu'un de distant, je ne peux pas communiquer du tout. L'intermédiaire qui va repropager votre message, il faut bien qu'il existe sur votre réseau. Donc votre routeur, celui qui va vous servir d'intermédiaire, bien évidemment, c'est comment, comment vous le configurez, vous lui donnez l'adresse locale, telle que vous le connaissez localement. Sinon, c'est comme si la clé du coffre-fort se trouvait dans le coffre-fort. Pour ouvrir, pour ouvrir le coffre-fort, faut ouvrir le coffre-fort. C'est exactement ça. Donc, forcément, si jamais, pour sortir, vous lui aviez donné comme information que c'était, par exemple, le routeur à contacter, c'était 198.0.51.1, il te répondrait Bah, dis donc, connard, t'es mignon, t'es sympa avec ça. Sauf que, justement, c'est pour contacter les gens qui sont dans 198.051 que j'ai besoin du routeur. Donc, je ne serais pas avancé. Donc, donne-moi l'adresse de quelqu'un que localement je peux contacter. Donc logiquement, forcément, pour connecter, contacter un routeur pour faire une communication distante, lorsque je passe par une route distante, je parle à un, à un routeur qui est local. Pas se faire avoir. Sinon, problème de poulet d'œuf. Ah, il n'y a bouche pas. Et enfin, la dernière question. Elle est compliquée. Attention elle est compliquée. Vous êtes prêts? Attention, c'est quoi le port de ping? C'est le port 11, c'est le port 23, c'est le port 56, ou il n'y en a pas? Ce troll. Il n'y en a pas. Bien sûr. Il n'y en a pas. Ping c'est de l'ICMP. C'est ni du TCP. Ni de l'UDP. Si vous arrivez. Et que vous faites. Euh, euh, ping. 8.8.8.8. Euh, voilà. Vous faites un ping comme ça. Et que moi derrière. Je récupérais. En ICMP. Non. Reviens là. Bah, tu vois pas mon ping Il ouais. Ouais, faut peut-être lancer la, la capture. Voilà. ICMP, couche 2, couche 3, et immédiatement ICMP. Il n'y a pas de port, parce qu'il n'y a pas de TCP, il n'y a pas du DP. Pas se faire avoir. Bien joué, bien joué, bien joué. Ce qui nous donne donc le palmarès final. En 3. ou 9 sur 10, pas mal. Chouquetax. 8 sur 10. Comment t'as réussi à gagner On a une question en moins. Oh Imperfect Imperfect Félicitations Félicitations. Bon, la musique est absolument insupportable. Donc euh, je la coupe. Je suis désolé, je la trouve insupportable. Mais félicitations à vous. Euh, grand bravo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'ai complètement mordu. Euh, avec votre autorisation, je suis désolé. La prochaine fois je mordirai pas. Mais je voulais quand même kick-off le premier cours bien correctement comme ça. Je vous retiens pas plus. Je vous remercie énormément. Je vais euh, mettre euh, le VOD, je le l'uploader sur YouTube. Je vais euh, l'éditer un peu et je vais le balancer sur le, sur le Moodle. Je vais vous balancer toutes les infos supplémentaires sur le Moodle. Je reste disponible sur le chat, sur le machin et tout ça. Et on se voit au prochain cours. Et d'ici là, bon courage à vous, cœur-cœur à vous, gros bisous.